Isaïe chapitre 19. Isaiah chapter 19. Et nous sommes en 2019. And we are in 2019. Après 2000 ans, on ne compte plus. On est dans l'année 19. After 2000 years, we don't count anymore. We are in the year 19. Et nous lisons dans Isaïe 19. And we read in the book of Isaiah 19. J'aimerais que quand vous rentrez chez vous, vous puissiez les lire tout. I want you when you will go back to your place to read the whole chapter. Promettez-moi ça, levez-vous. Can you promise it to me? Quand vous rentrerez dans vos maisons. When you will get to your places. Les titres de cette semaine. And the, in during this week. Et pour cette grande fête. And for this great great feast. Allez lire Isaïe chapitre 19, vous serez bénis. Go and read Isaiah 19, you will be blessed. Et puis les versets premiers. From the first verse. Jusqu'au verset 25. To verse 25. Mais nous on va sauter pour gagner du temps. But we'll just jump it to win of time. Lisons le verset premier. We read the first verse. Et nous allons sauter pour prendre de 18 à 25. And we will jump to take from 18 to 25. Saisissez ça par la révélation. Catch it by revelation. Nous lisons au nom du Seigneur. We read in the name of the Lord. Le verset premier, Isaïe chapitre 19. Isaiah 19, the first verse. The burden of Egypt. Behold, the Lord riding upon a sweet cloud. And they shall come into Egypt, and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the head of Egypt shall meet in the midst of it. The first verse, oracle sur Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Avez-vous entendu ça? Could you hear that? Le Seigneur va monter sur les nuées. The Lord will ascend on the clouds. Et il viendra en Égypte ici. And they will come to Egypt in here. Prenons le verset 18. Let's take the verse 18. In that day shall five cities in the land of Egypt speak the language of Canaan. And they swear to the Lord of hosts and shall be called the city of destruction. In that day shall there be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border therefore to the Lord. And it shall be for a sign and for a witness unto the Lord of hosts in the land of Egypt. For they shall cry unto the Lord because of the oppressors, and he shall send them a savior. And a great one, and he shall deliver them. And the Lord shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know the Lord in that day. And they shall do sacrifice and oblation. Yeah, they shall vow a vow into the Lord and perform it. And the Lord shall smite Egypt, he shall smite and heal it, and they shall return even to the Lord, and he shall be entreated of them, and shall heal them. In that day shall there be the highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptian shall save with the Assyrians. In that day shall Israel be deterred with Egypt and with Assyria, even a blessing in the midst of the land. Whom the Lord of hosts shall bless, saying, blessed be Egypt, my people, and Assyria, the work of my hands, and Israel, my inheritance. Amen. Amen. From verse 18 to 25. En ce moment-là, il y aura cinq villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan, et ils jugeront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte.
Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura en route d'Égypte, une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. May the Lord bless the reading of his word. Asseyez-vous. You may be seated. Pour ces 110 ans, nous sommes toujours dans cette fête. For these 110 years, we're still in that feast. Depuis la naissance du grand prophète William Branham, from the birth of the great prophet William Branham, et le retour de la grande colonne de feu, and the return of the great pillar of fire, ça fait 110 ans. It's now 110 years. Depuis que Dieu nous a visités dans cet âge, from the time God visited us in this age, et en commémoration de cela dans les centenaires, and in remembrance of this in the centenary, on avait dédicacé cette église par le révérend pasteur Kayumbi Béa. We dedicate this church by the Reverend Pastor Kayumbi Béa. Et les yeux du monde entier dans les messages étaient dans cette salle. And the eyes of the entire world were right in this hall. Et 10 ans après, nous sommes ici en 2019. 10 years later, we're now in 2019. Nous ne pouvons pas avancer si vous ne comprenez pas qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici. We cannot move forward if you don't understand what we are doing here. C'est pourquoi c'est très important. Vous devez saisir la vision. That's why it's crucial. You need to catch the vision. La vision de l'Afrique missionnaire dans la 11e heure. The vision of the missionary Africa in the 11th hour. Il y a une grande vision prophétique. There is a great prophetic vision de l'Afrique missionnaire, of the mission, African dans missionary, cette épouse de la 11e heure, in this bride of the 11th hour. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. C'est pourquoi mon sujet, c'est toujours le libérateur des Égyptiens. That's why my subject is the liberator of Egyptians. Nous parlons sur le grand libérateur des Égyptiens. We're speaking on the great liberator of Egyptians. Que nous connaissons tous que le libérateur c'était pour les Juifs. Well, we all know the liberator was to the Jews. Moïse était le libérateur des Juifs. Moses was the liberator of the Jews. Mais ce n'est pas en cela que je parle. But it's not what I'm talking about. Nous parlons sur un autre libérateur des Égyptiens. We speak on another liberator of Egyptians. Parce que vous connaîtrez la vérité. Because you shall know the truth. Et la vérité vous affranchira. And the truth shall set you free. Pourquoi nous en parlons? Why are we talking about nous it? Nous croyons au mystère de la délivrance totale. We believe in the mystery of the total deliverance. Par la connaissance de la vérité de la parole. Through the knowledge of the truth of the word. Oh, je croyais que quelqu'un va dire amen. I thought somebody would say amen. Remarquez ce que Frère Branham dit. Notice what Brother Branham says. Dans la prédication, la foi parfaite. In the preaching, the perfect faith. Paragraphe 77, Frère Branham dit. Paragraph 77, Brother Branham says. Maintenant, vous voyez. He says, now you see. Il avait. He had. La foi parfaite. The perfect faith. Il parle du Seigneur Jésus-Christ. He speaks about the Lord Jesus Christ. Je le répète, il dit, maintenant, vous voyez. I repeat, he said, now you see. Il savait ce qu'il était. He knew who he was. C'est pourquoi il avait la foi. That's why he had faith. On me dit amen au prophète. Say amen to the prophet. Jésus savait ce qu'il était. Jesus knew who he was. Il savait qui il était. He knew who he was. C'est pourquoi il avait la foi. That's why he had faith. Vous ne pouvez pas avoir la foi. So you cannot have faith. Sans que vous connaissiez qui vous êtes. Without you knowing who you are. Dites amen. Say amen. Et en dehors de la foi, and outside of faith, tu ne peux pas être agréable à Dieu. You cannot be good to God.
Il n'y a que la foi. There is only faith. Qui peut changer chaque situation. That can change every situation. Il n'y a que la foi. There is only faith. Qui peut changer chaque circonstance. That can change circumstances. Il n'y a que la foi. Only faith. Qui peut déplacer les montagnes. Can move mountains. Oh, qui peut dire amen à ça? Who can say amen Mais to that? Mais vous ne pouvez pas avoir la foi. But you cannot have faith. Si tu ne connais pas qui tu es. If you don't know first who you are. Jésus avait la foi. Jesus had faith. C'est quoi rien ne résistait devant lui. That's why nothing could withstand him. La Bible dit. The Bible says. Rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible to God. Oh, mais qui peut dire amen? Say amen, somebody. Mais la même Bible dit. But the same Bible rien says. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nothing is impossible to the one who believes. C'est-à-dire si tu as la foi. Meaning if you've got faith. Rien ne peut te résister. Nothing can withstand you. Or tu ne peux pas avoir la foi, mes amis. Why you cannot have faith, friends? Sans que tu connaisses qui tu es. Without you knowing who you are. Et Jésus avait la foi. And Jesus had faith. Parce qu'il savait qui il était. Because he oh, knew merci, Seigneur. Who he was. Oh, thanks God. Il savait qui il était. He knew who he was. C'est pourquoi il avait la foi. That's why he had faith. La foi pouvait produire. Faith could produce. Du moment qu'il savait ce qu'il était. Could be produced. From the time he knew who he was. Je sais pas si vous comprenez ici. I don't know if you understand. La foi, ça peut produire. Faith can produce. Seulement quand tu connais qui tu es. Only when you know who you are. Et la Bible dit la foi sans les œuvres c'est une foi morte. And the Bible says faith without works is a dead faith. Ta foi peut produire. Your faith can produce. Le Saint-Esprit. The Holy Ghost. Ta délivrance. Your deliverance. Ta guérison. Your healing. L'argent. Money. L'enlèvement. Rapture. Le bonheur. The happiness. La paix. Peace. À condition que. Only at the condition that. Tu puisses savoir qui tu es. You know first who you are. Et pour savoir qui tu es. And to know who you are. Frère Branham dit. Brother Branham says. Vous devez reconnaître votre jour. You need to recognize your day. Et votre message. And your message. Tu dois reconnaître dans quel jour tu es. You gotta recognize in which day are you in. Quel est le message approprié pour toi? What's the appropriate message for me? Qu'est-ce que tu as dit pour ce jour-là? What did God say for that day? Et connaître l'endroit que tu es. And know the place where you're standing. Le pays que tu es. The land you in. L'endroit que tu es. The place you la in. La terre que tu piétines. The land you step Qu'est-ce on. Qu'est-ce que la parole a dit à ce sujet-là? What did the word say about it? Et connaître qu'est-ce que la parole a dit à ton sujet. And know what the word said about you. Les gens doivent reconnaître le jour. People need to recognize the day. Et son message. And its message. Reconnaître la saison, l'heure. Recognize the season, the Quelle time. Quelle est la jonction que tu es? What the junction you in? Qu'un croyant puisse me dire amen. May a believer say amen. Vous voyez, vous devez reconnaître ça. See, you must recognize it. Nous ne sommes pas au temps d'Adam. We not in the time of Adam. Nous ne sommes pas au temps de Noé. We not in the time of Noah. Nous ne sommes pas au temps de Moïse. We are not in the time of Moses. Nous ne sommes même pas au temps de Jésus homme. We not even in the time of Jesus a man. Nous ne sommes pas au temps de Pierre et Paul. We not in the time of Peter and Nous Paul. Nous sommes au temps de la fin. We in the end time. Et le peuple du temps de la fin. And the people of the end time. Doit reconnaître le message du temps de la fin. Need to recognize the message of the end time. Et quand vous reconnaissez le message du temps de la fin. And once you catch the message of the end time. Dans le temps de la fin. In the end time. Tu dois reconnaître aussi les portions de la parole. You must also recognize the portions of the word. Pour ta race. For your race. Pour le pays que tu es. For the country you're staying in. Qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet-là? What did God say about it? Quand tu saisis ça, when you catch it, par la révélation, by revelation, pas comme une connaissance intellectuelle, not like an intellectual knowledge, tu écoutes ça, you listen to it, tu saisis cette révélation là, you catch the revelation, ta foi commencera à produire, then your faith will start producing, tout ce que tu as besoin, everything you need, et tu seras maître de chaque circonstance, and you will be the master of every circumstance, parce que tu connais qui tu es, why? Because you know who you are.
Et remarquez que, and notice that, pour comprendre cela, to understand it, remarquez, notice, la Bible ici, c'est un livre à 66 livres. The Bible here is a book with 66. Ça, c'est une grande bibliothèque à 66 livres. 66 livres. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. 66 livres from Genesis to Revelation. Il y a 66 livres. There is 66 books in the Bible. 66 deux fois. So it means 6 and 6 twice. Parce que ça parle de l'homme spirituel. Because it speaks of the spiritual man. Et ça parle de l'homme charnel. And it speaks on the carnal man. Parce que l'homme a été créé le sixième jour. Because man was created on the sixth day. Si vous le croyez, dites amen. You believe, say amen. Mais ça parle de deux hommes. But it speaks about two men. Ça parle d'Adam. It speaks about Adam. Ça parle du serpent ancien. And the old serpent. Ça parle de Abel. It speaks of Abel. Ça parle de Caïn. And it speaks of Cain. Ça parle d'Abraham. It speaks of Abraham. Ça parle de Pharaon. And it speaks of Pharaoh. Qui peut dire amen? Who say amen? Ça parle d'Israël. It speaks of Israel. Ça parle des Moabites. And the Moabites. Ça parle de Jésus. It speaks of Jesus. Ça parle de Judas. And Judah. Ça parle de deux hommes. Two men speaking. L'homme spirituel, the spiritual man, et l'homme charnel, and the carnal man. Et remarquez de tous les prophètes de la Bible. And notice of all the prophets of the Bible. Ésaïe a écrit 66 chapitres. Isaiah wrote 66 chapters. Et Frère Branham dit Ésaïe a écrit la Bible en miniature. And Brother Branham says Isaiah alone wrote the entire Bible in small scale. 66 livres. 66 books. Comme les 66 chapitres d'Isaïe. Like the 66 chapter of Isaiah. C'est tout un grand mystère. It's an entire mystery. Et nous voyons que Isaïe. And we see that Isaiah. Arrivé à Isaïe chapitre 19. Reaching on Isaiah 19. Là où nous venons de lire. Where we just read. Et en 2019. And in 2019. 400 ans après qu'Israël. 400 years after Israel, soit déjà sorti de l'Égypte, already walked out of Egypt, par le libérateur Moïse, by the liberator Moses, 400 ans après encore, 400 years later, ce qui peut être plus ou moins 840 ans après, again, which is about 840 years. Nous voyons Esaïe promet un autre sauveur. We see Isaiah promised another savior. Un autre libérateur. Another liberator. Un autre défenseur. Another defender. Pas pour les Israéliens. Not for the Israelites. Il le promet pour les Égyptiens. But he promised it for the Egyptians. Ça paraît paradoxal. It seems to be paradoxal. Parce que nous savons plus tôt. Because we rather know. Ce sont les Juifs qui étaient esclaves en Égypte. The Jews used to be slaves in Egypt. Et Dieu leur envoya Moïse. And God sent them Moses. Un libérateur des Juifs. A liberator to the Jews. Pour les délivrer des mains des Égyptiens. To deliver them from the Egyptians. Mais 840 ans après. But 840 years later. Isaïe voit un autre libérateur. Isaiah see another liberator. Pas pour libérer les Juifs. Not to free the Jews. Mais celui-ci va libérer les Égyptiens. But this time he's gonna deliver the Egyptians. Si vous le croyez, dites amen. If you believe, say amen. Oh, c'est merveilleux. Oh, that's wonderful. C'est une promesse. It's a promise. C'est une prophétie. It's a prophecy. Qui va allumer. That will light. La dynamo. The dynamo. Pour un spectacle lumière. For a lighting spectacle. Dont Frère Branham a promis. That Brother Branham promised. Cette écriture ici. This scripture. Et cette année, and this year, c'est l'année de cette écriture. It's the year of this scripture. Et Dieu ne fait pas les choses par hasard. God does not make things by dans chance. L'année 19, in the year 19, que nous sommes, where we are in, Esaïe parle de, dans le chapitre 19. Isaiah speaks in chapter 19. Je crois simplement que si l'Église saisit ça, I simply believe if the church catch it, aucun démon peut te résister encore. No demon can resist you again. Écoutez mes amis. Listen, friends. Nous savons que les Égyptiens. We know that the Egyptians. Étaient des bourreaux des Israéliens. They were the ones against the Israelites. C'est eux qui étaient en train de détruire les Israéliens. They were the ones killing the Israelites. Mais nous voyons ici que. But we see here that. Après nous voyons qu'eux-mêmes étaient devenus des esclaves. After we see they also became slaves. Et il leur fallait un autre libérateur et un défenseur. They also needed a liberator. C'est eux freedom, qui avaient soumis les Juifs. They submitted the Jew
au travers des pharaons, through Pharaoh, dans l'esclavage, in slavery. Alors Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. And God sent Moses to free them. Mais nous voyons ici que la situation change. But we see there the situation is changing. Les Égyptiens se retrouvent esclaves. The Egyptians are now the slaves. Et Dieu doit leur envoyer leur libérateur à eux. And God need to send them their liberator. Quelle promesse! What a promise! Quelle bénédiction! What a blessing! Je leur enverrai un libérateur. I shall send them a liberator. Et Isaïe a vu un signe. Isaiah saw a sign. Et quand cela arrivera, that when it's going to happen, est-ce que je parle aux aigles ici? Am I speaking to the eagles? Isaïe a vu mes amis. Isaiah saw friends. Et j'ai vu l'Éternel. I saw the Lord. Avec une nuée rapide. With a quick cloud. Et il va en Égypte. He goes to Egypt. L'Éternel viendra en Égypte. The Lord shall come to Egypt. Dans une nuée de gloire. In a cloud of glory. Et quand il va arriver en Égypte. And when he reach Egypt. Oh my man. Oh man. Il va détruire les idoles des Égyptiens. He will destroy the Egyptians' idols. La sorcellerie des Égyptiens. Witchcraft of Egyptians. La magie des Égyptiens. Magic of Egyptians. Tout ce que les Égyptiens font. All that the Egyptians doing. Par la venue de cette nuée-là. Will be annihilated by the coming of the cloud. Ce ne serait pas une nuée de la pluie. It won't be a cloud of the rain. Cette nuée sera l'Éternel lui-même. But this cloud will be the Lord himself. Il viendra dans le pays de l'Égypte. Coming in the land of Egypt. Et quand il va arriver en Égypte. When you reach Egypt. Le peuple égyptien. The Egyptian qui people. Qui était dans l'esclavage. Being in slavery. Ils vont crier à l'Éternel. They will shout to the Lord. Esaïe a dit en cet Isaiah said, in this il y aura time, cinq villes dans le pays de l'Égypte. There will be five cities in Egypt. Ils parleront le langage de Canaan. They shall speak the language of Canaan. Ils connaîtront l'Éternel. They will know the Lord. Et Isaiah a dit, and Isaiah said, ils crieront à l'Éternel. They shall shout to the Lord. À cause des oppresseurs. Because of the oppression. Et l'Éternel leur enverra un libérateur. And the Lord shall send them a liberator. Et en ces jours-là, and on that day, les Égyptiens connaîtront Dieu. Egyptians shall know God. Au temps de Moïse, in the time of Moses, les Égyptiens n'ont jamais connu Jéhovah. Egyptians never knew Jehovah. Ils n'ont jamais adoré Jehovah. They never worshipped Jehovah. Mais il y a une promesse. But there is a promise. Et quand cette nuée viendra, that when this cloud will come, les Égyptiens vont croire en Jehovah. Egyptians shall believe in Jehovah. Et quand ils vont croire en lui, when they will believe in him, ils vont l'adorer. They shall worship Isaiah him. Ils feront des offrandes. Isaiah said they will make offerings. Ils feront des vœux à l'Éternel. They will make vow to the Lord. Isaiah dit il y aura un autel en Égypte. Isaiah said there will be an altar in Egypt. Et il y aura un monument à l'extrémité de l'Égypte. And there will be a monument at the corner of Egypt. Oh, si jusqu'à là vous comprenez, dites amen. If until there you catch c'est me, la say amen. Simplement mon âme dans un réveil. And that's what he did. Et quand ceci arrivera, when it shall happen, Dieu traitera premièrement avec les Égyptiens. God will first deal with the Egyptians. Et il traitera avec les Syriens. And with the Assyrians. Et il dira, béni soit l'Égypte, mon peuple. And he shall say, blessed be Egypt, my people. Alors que nous savons que les Égyptiens n'ont jamais été le peuple de Dieu. While we all know Egyptians have never been God's people. Mais en ce jour-là, le langage changera. But on that day, the language shall change. Béni soit l'Égypte, mon blessed peuple. Blessed be Egypt, my people. Et Israël sera troisième. And Israel shall be third. Il y aura une connexion en triple. There will be a connection in three parts. Dieu traitera avec les Égyptiens. God shall deal with Egyptians. Ils deviendront le peuple de Dieu. They will become God's people. Oh, j'entends quelqu'un dire amen. Oh, I hear somebody say amen. Les Égyptiens, the Egyptians, seront appelés le peuple de Dieu. Shall be called God's people. Béni soit mon peuple de l'Égypte. Blessed be my people of Egypt. Et Isaïe donne un signe. And Isaiah give a sign. Quel est le signe de ça? But what will be the sign of it? Quand vous verrez, Isaïe a dit, when you shall see, Isaiah said, il y aura une route. There will be a way. Un highway. A highway. Qui sera construit. Being built.
Depuis l'Égypte, from Egypt, jusqu'à la Syrie, to Assyria. Quand vous verrez ça, when you shall see that highway, sachez que, know that, sachez que, know that, amen et tabernacle, sachez que, amen tabernacle, know that, le libérateur est sur la terre, the liberator is on earth. En ce moment-là, at this time, tu n'as plus droit d'être esclave. You no longer need to be a slave. Ce sera un signe. It will be a sign. Et remarquez mes amis. Notice friends. Les Égyptiens. Egyptians. Ce serait pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans les pays de l'Égypte. It will be for the Lord of hosts a sign and a testimony in the land of Egypt. Ils crieront à l'Éternel. They shall shout to the Lord. À cause des oppresseurs. Because of the oppression. Et ils les enverront un sauveur. And he shall send them a savior. Un défenseur. A defender. Pour les délivrer. Who will rescue Parce them. Parce que les traductions disent un sauveur ou un défenseur. In other the translator they say savior or defender. Quelqu'un viendra défendre les Égyptiens. Someone will defend the Egyptians. Il viendra les sauver. He will come to save them. La traduction dit un libérateur ou un grand personnage. Or they say a liberator or a great character. Ce ne sera pas un simple homme. It won't be just a simple man. Il sera un grand personnage. He will be a great character. Isaïe 19:21 dit. Isaiah 29:19-29 says. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. So the Lord will make himself known to the Egyptians. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. And they will know the Lord. En ce jour-là, on that day, ils feront des sacrifices. They shall make sacrifices. Et des offrandes. And grain offerings. Et ils feront des vœux à l'Éternel et ils les accompliront. They will make vows to the Lord and keep them. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. L'Égypte dont il est parlé ici. The Egypt we're speaking about here. Ce n'est pas le pays Égypte moderne et islamique. It's not the Egypt of today, the Muslim. Non, mes amis. No, friends. L'Égypte dont il est parlé ici. Egypt we're talking about here. Ce n'est pas l'Égypte islamique moderne. It's not the modern Muslim. Il s'agit de l'Afrique. It's about Africa in the whole. Si vous le croyez, dites amen. If you believe, say amen. Dans la Bible et la prophétie. In the Bible, in the prophecy. L'Afrique entière est appelée Égypte. The entire Africa is called Egypt. C'est ça la promesse de l'Afrique. That's the promise of Africa. Est-ce qu'il y a un Africain ici? Is there an African here? Voilà votre promesse. This is your promise. Ce serait l'Afrique. It shall be Africa. Qui peut dire un grand amen? Who may say amen? Et ce serait représenté par l'Africain noir. And it shall be represented by the blacks of Africa. Ça, c'est la promesse de l'Afrique noire. That's the promise of black Africa. Quand vous lisez dans la Bible, when you read in the Bible, Éthiopie, Ethiopia, dans la prophétie, in the prophecy, ce n'est pas la nation éthiopienne ici. It's not the modern Ethiopia. C'est toute l'Afrique. It's the entire Africa. On appelait Éthiopie. They used to call Ethiopia. Veut dire race noire. It means the black race. Do you understand? Say amen. Le mot Éthiopie ne veut dire que race noire. The word Ethiopia means race, black race. Pourquoi vous lisez aussi la Libye? That's why you also write Libya. Ce n'est pas le pays de Kadhafi ici. C'est it's not the land of Kadhafi. C'est toute l'Afrique. It's the entire Africa. On appelait ça aussi la Libye ou Put. They used to call it Libya or Put. Qui signifie peau noire. Which means black skin. Si vous le croyez, dites amen. You believe, say amen. Parce que la race est noire. Because the black race a toujours occupé une place importante. Always occupied an important place. La race est noire. Black race aura toujours occupé une place importante dans la rédemption. The black race always occupied an important place in redemption. L'Afrique a beaucoup souffert. Africa has suffered a lot. Par les colons. By the colonizers. Par l'esclavage. By slavery. Ézéchiel avait vu ça. And Ezekiel saw that. Que les Occidentaux viendront. That the people from the west will ils come. Ils vont déchirer la fille de l'Égypte. They will destroy Africa. Ils vont se partager son pays. They will share its land. Oh, la Bible est la vérité. Oh, the Bible is the truth. Pour ceux qui ont été à l'école. Those who've been at school. En 1885. In 1885. Ils ont partagé l'Afrique. They shared Africa. Des colonies et des colonies. Colonies and colonies. L'accomplissement de la prophétie est accompli. The fulfillment of the prophecy will come to pass. Et les Africains ont été des esclaves. And they've been enslaved. Souvenez-vous que Pharaon était un noir. Remember, Pharaoh was black. Est-ce que vous le savez ici? Did you know? Pharaon était noir. Pharaoh was black.
Et il a soumis les Juifs. And he submitted the Jews. Et comme une loi. And as a law. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne fais pas pour les autres. What you don't want you to do, what you don't want you people to do après, to you. Après nous, on a payé ça. Don't do it to people. Then we pay the price of it. Nous sommes devenus aussi esclaves. We also became slaves. Par la traité de négrière, l'esclavage et tout la colonisation. By all the slaveries and colonization, you know. Nous sommes devenus esclaves partout. We became slaves everywhere. Même pendant que je prêche. Even when I'm speaking, beaucoup de noirs ne savent pas qu'ils sont déjà libérés encore. Many blacks still don't know they are free already. Ils ont toujours la complexe d'infériorité. They're still being complex of being minimized. Mais la prophétie avait dit. But the prophecy said. Il y aura un libérateur. There shall be a liberator. L'Afrique a beaucoup souffert. Africa suffered a lot. Mais il a une place dans la rédemption. But he got a place in redemption. Remarquez que vous pouvez comprendre ça. Notice to understand better. Remarquez que nous sommes tous venus d'Adam et Ève. Look, we all came from Adam and Eve. Qui peut dire amen? Say amen, somebody. J'aime les gens qui disent amen. I love people saying amen to the word. Et d'Adam et Ève. From Adam and Eve. Ils ont mis au monde Abel. Abel est mort. They gave birth to Abel. Abel died. Seth a remplacé Abel. Seth replaced Abel. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Et Seth est venu Enoch. From Seth came Enoch. Vous pouvez lire tout ça dans Genèse. You can read it in Genesis. Enoch est venu Kenan. From Enoch came Kenan. Kenan est venu Mananael. Kenan be called Mananael. Mananael est venu Jared. And from Mananael came Jared. Jared est venu Enoch. Then Enoch. Enoch est venu Methuselah. Then Methuselah. Jusqu'à Lémec. Until Lémec. Et de Lémec est venu Noé. From Lémec came Noah. Il y a eu le déluge. There been the flood. Et tout cela a duré 2000 ans. And all this lasted for 2000 years. Si vous comprenez, dites un grand amen. You understand, amen. Et Noé est entré dans l'arche. And Noah got in the ark. Jusque dans la montagne d'Arara. Until the Mount Arara. Ici en Turquie. There in Turkey. Et nous savons que là, aujourd'hui, ils ont découvert l'arche de Noé là-bas. And we know today they found Noah ark. Combien ont suivi ça? How many followed that? C'est la Bible est la vérité. It means the Bible is the truth. Quand Noé est sorti de l'arche, when Noah walked out of the ark, écoutez l'histoire de l'origine. Listen to the story of the origin. Noé a mis au monde trois fils. Noah had three sons. Sem ou Shem. Sem or Shem. Et Japheth. Japheth. Cam ou Ham. Cam or Ham. Et les trois fils de Noé, c'est eux qui ont peuplé le monde. And the three sons of Noah have filled the world. Et Cam, qui signifie courage. And Cam, which means courage. Et vous savez qu'il avait commis l'erreur de voir la nudité de son père Noé. You know he made a mistake to see his father naked, Noah. Et Noé, au lieu de le maudire. And Noah, instead of cursing him. Noé a dit maudit soit. Noah said, cursed be upon. Canon. Canon. Noé n'a pas maudit Cam. Noah never cursed Cam. Mais il a dit maudit soit Canaan. But he said, cursed be on Canaan. Le fils de Cam. The son of Cam. Or Cam qui signifie courage. While Cam which means courage. Il a mis au monde Cush. He gave birth to Cush. C'est là où il est venu l'Éthiopie. Cush where the Ethiopia came. Et il a mis au monde Misraim. Then Misraim. C'est là où est devenu l'Égypte force. That where Egypt comes from. Et Put là où est devenu Libye. Put where Libya came. Les trois ici sont les ancêtres des Noirs. Those three are the ancestors of the blacks. Qui peut dire amen? Who can say amen? C'est pourquoi on nous appelle Put. That why they call us Put. Ou Misraim dans la or Bible. Misraim in the Bible. Ou Égyptien. Or Egyptians. Ou Éthiopie. Or Ethiopians. Parce que nos trois parents là. Because these three parents of c'est us. Les parents de la race noire. They are the fathers of the black race. Mais Canaan. But Canaan. Celui qui était maudit. Well, the one that was cursed. Voici la première libération que le libérateur est venu nous enseigner. That's the first liberation that the liberator brought us. Toutes les églises, all the churches, Catholic, Protestant, Pentecôtistes, Pentecôtistes, ils ne connaissent pas ces choses. They don't know those things. Ils ont enseigné que they taught that les noirs souffrent. The blacks are suffering parce que because ils ont été maudits. They were cursed. Mais gloire soit rendue à but Dieu. Glory be to God. Quand le libérateur est venu, when the liberator came, il dit que ce n'est pas ça. He said that not il dit, true. Relisez votre Bible. He said, read again your Bible. On n'a pas maudit Cush. They never cursed Cush. On n'a pas maudit Misraim. They never cursed Misraim. Ni Put. Neither Put. Mais on a maudit Canaan.
But he cursed Canaan. Les Cananéens est venu la nation de la Palestine. And from Canaanites came the nations of Palestine. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. That's why God said to Abraham. Va, je te donne ce pays-là. Go, I give you this land. Je vais les chasser. I will chase parce them. Parce qu'ils sont maudits. Because they are cursed. Les Cananéens sont les Palestiniens. The Canaanites are the Palestinians. Si y a un peuple maudit sur la terre. If there is a cursed people on earth. Depuis les temps anciens. From the old times. Ce sont les Palestiniens. It's the Palestinians. Même si les Juifs les arrachent le pays. That's why even if the Jews take back the land. Nous nous disons amen. We say amen. Qui peut dire un grand amen? We say amen. Mais nous les Noirs. But us, the blacks. Ici, Kouch est venu Nimrod qui a construit la tour de Babel. From Kouch came Nimrod, he built the tower. Et ici est venu les Philistins avec Goliath. Tower of Babel and the Philistines with Goliath. Et de Kouch est venu la progéniture noire. And from Kouch came the black race. Aujourd'hui, tu dois être libéré. So today, you must be free. Toi, tu n'es pas un Cananéen. You are not a Cananéen. Toi, tu es la progéniture noire. But you are the black offspring. Et Esaïe a vu. Isaiah saw. C'est quoi, vous remarquerez que dans l'Ancien Testament. That's why you will notice in the Old Testament. Les grands penseurs. The great minds. Les grands hommes. The great men. Qui dominaient la terre. Who used to dominate the earth. C'était des noirs. It was blacks. Pharaon était noir. Pharaoh was black. Napoléon est parti en Égypte. Napoleon went to Egypt. Pour voir les pyramides. To see the pyramids. Et il a vu les sphinx. And he saw the sphinx. Quand il a vu que le nez, c'est le nez des noirs. When he saw the nose was the nose of the black. Il dit, mais c'est pas possible. He said, but it's impossible. Pharaon était noir. So Pharaoh was black. Même quand ils ont déterré la tombe de Toutankhamon. Even when they took out the bones of Tutankhamon. Quand ils ont amené ça. When they brought it ils back. Ils ont compris qu'il était noir. They checked, they understood he was black. Les noirs régnaient autrefois sur la terre. The black used to rule the earth. Avec la puissance. With power. Avec la sagesse. With wisdom. Avec l'intelligence. With knowledge. Avec l'argent. With money. Et ils ont soumis les blancs dans l'esclavage. And they submitted the white in slavery. Et ils ont soumis même les Juifs. They even submitted the Jews. Au temps de Pharaon. In the time of Pharaoh. Et Dieu a envoyé Moïse. And God sent Moses. Pour libérer les Juifs. To free the Jews. De l'esclavage des Noirs. From the slavery of the blacks. De Pharaon. The Pharaohs. Mais les Noirs eux-mêmes aussi. But the blacks themselves. Ils sont aussi partis en esclavage. They also went into slavery. L'Afrique du Sud était soumise à l'apartheid. South Africa was under apartheid. Le Congo était dans l'esclavage des Belges. Congo was under the slavery of Belgium. Le Cameroun par les Allemands et les Français. Cameroon by the Germans le and Gabon the French. Par les Français. Gabon with the French. Voyez-vous toutes ces choses? You see all those things. Le Congo Brazzaville par les Français. Brazzaville with the French. Ils ont amené même nos ancêtres esclaves jusqu'aux États-Unis. They even brought our elders, our fathers in US. C'était les oppresseurs. It was oppressors. Ils ont arraché les richesses de l'Afrique. They took the wealth of Africa. Ils ont soumis la pensée des Africains à l'esclavage. They submitted the mind of the African to slavery. Parce que la meilleure esclavage. Because the best slavery. Se trouve au niveau de la pensée. Is in the mindset. Mais gloire soit rendue à But Dieu. Glory be to God. La Bible dit. The Bible says. Vous connaîtrez la vérité. You shall know the truth. Et la vérité vous affranchira. And the truth shall set you vous free. Vous changerez votre manière de penser. You will change your way of thinking. Il y aura un métanoïa. There will be a métanoïa. Au niveau de la pensée. In your mind. Oh, quelqu'un peut dire amen, mes Somebody amis. Somebody say amen. Et remarquez que. Notice that. C'est là où Isaïe a dit, ils crieront à l'Éternel. That's where Isaiah said, they shall shout to the Lord. Et il leur enverra un libérateur. And he shall send them a liberator. Et béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Parce que nous sommes dans l'année 19. Because we are in the year 19. Et j'ai lu Isaïe 19. And I read Isaiah 19. Croyez-vous à la mathématique de Dieu? Do you believe in God's mathematics? Abraham dit le mystère 19 c'est 1 plus 9 égale 10. Abraham said the mystery of the numbers 1 plus 9 is 10. Le chiffre 10. The number 10. William Branham dit dans le premier sous paragraphe 20. Branham said in the first seal paragraph 20. N'oubliez pas les nombres. Never forget the numbers. Vos 3, vos 5. Your 3, your 5. Vos 7. Your 7. Vos 10. Your 10. C'est le mystère de la rédemption. It's the mystery of redemption. Et nous sommes ici 10 ans de la dédicace d'Amen Tabernacle. And we hear it. 10 years from our dedication. Depuis 2009 à 2019. From 2009 to 2019. Vous devez comprendre pourquoi nous sommes ici. That
that why you need to understand why are we here. Parce que le nombre 10, because the number 10, il y avait 10 frères de Joseph. There were 10 brothers of Joseph. Qui étaient jaloux contre lui. They were jealous against him. Et ils ont amené en Égypte. They brought him to Egypt. Et Dieu a amené 10 lois. And God brought 10 laws. Pour la manifestation d'une promesse à l'église. To the manifestation of a promise in the le church. Le nombre 10, the number 10, a été toujours la manifestation. Was always the manifestation une promesse à l'église. Of a promise in the church. Si vous le croyez, dites amen. Do you believe, say amen. C'est pourquoi dans la fête de Yom Kippour, that why in the feast of the Yom Kippour, Lévitique chapitre 25, in Leviticus 25, Dieu a dit vous sonnerez la trompette au 10e jour du 7e mois. God say you shall sound the trumpet, blow the trumpet on the 10 days of the 7 months. Cela montre Apocalypse 17. It shows Revelation 10:7. Le nombre 10, the number 10, l'ange puissant est descendu. The mighty angel descended. L'accomplissement de la promesse à l'église. The fulfillment of the promise in the church. Parce que le chiffre est 100. Because the number 100, c'est l'accomplissement. It's the fulfillment. C'est la manifestation d'une promesse à l'église aussi. The manifestation of a promise in the parce church que 10 as well. Est le multiple de 100. Because 10 is multiplied by 100. C'est comme nous sommes dans le temple du centenaire. That's why we are in the temple of the centenary. Et je lis dans la Bible du centenaire. And I'm reading in the Bible of the centenary. Remarquez que Isaïe a dit, vous voyez? Notice, c'est ça Apocalypse 10. Isaiah said. C'est quoi vous lisez dans la Bible? That's why you read in Revelation 10. Jésus a guéri 10 lépreux. Jesus delivered 10 leprosy. Il a manifesté une promesse de guérison dans leur vie. He manifested a promise of healing in their c'est life. C'est why il y a 10 vierges dans la Bible. That's why there is 10 virgins ils vont in manifester the Bible. La promesse. They're going to manifest the promise. C'est why il y a la 10e vache rouge qu'Israël vient d'avoir. There is the 10 red ox that Israel just had. Est-ce que les aigles sont avec moi? Are the eagles here? C'est l'accomplissement de la promesse pour eux. The fulfillment of the promise to them. But anyway, ceci ne concerne pas les bébés. All right, this is not about the babies. Ça c'est pour les aigles. It's for the eagles. Vous voyez mes amis? See friends. Tu vois la 19e lettre de l'alphabet hébreu? That's why the 19 letters of the Hebrew alphabet. Qui est l'alphabet de Dieu? Which is God alphabet? C'est Gov. It's Gov. Et le chiffre numérique de ça c'est 100. And the numerical sign of it is 100. C'est pourquoi la promesse d'Esaïe 19-21. That's why the promise of Isaiah 19-21. La Bible dit les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ces jours-là. The Bible says the Egyptians shall know the Lord on that day. Je vais entendre un Égyptien dire amen. Can an Egyptian say amen? Quand je dis Égyptien, c'est toi l'Afrique. When I say Egyptian, it's you, African. Ah, j'ai vu frère Papa Noël a compris. I saw Papa Noël understood. En ces jours-là. In that day, les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Egyptians shall know the Lord. Qui peut dire amen? Who can say amen? Et Daniel a dit en son temps. And Daniel saw in its days. Ceux qui connaîtront leur Dieu. That those who shall know their God. Ils feront des exploits. They will do wonders. Vous ne pouvez pas faire les exploits. You cannot do wonders. Sans connaître Dieu. Without knowing God. Qui peut dire un grand amen? Who say amen? Parce que connaître. Because to know. C'est connaître le mystère caché d'Apocalypse. It's to know the hidden mysteries of Revelation. Parce que connaître, because to know, c'est la faculté de connaître. It's the faculty of understanding. Même pendant que je prêche, even when I'm preaching, les autres ne comprendront pas. Some won't understand anything. Et Daniel a dit de vous. Daniel spoke about you. Que les insensés ne comprendront pas. That the stupid won't understand. Mais les sages comprendront. But the wise will understand. Et ils connaîtront leur Dieu. They will know their God. C'est quoi quand vous venez à l'église? That's why when you come to church, il faut avoir la faculté de connaître. You need to have that faculty of understanding. Jésus a dit la vie éternelle. Jesus said the everlasting life. Que te connaisse toi le vrai Dieu. Is that he knows you, the true God. Pas une connaissance intellectuelle. Not an intellectual knowledge. Mais connaître l'auteur. But to understand the author. Parce que connaître. Because to know. C'est la manière de comprendre. Is the way of understanding. Oh mais je vais entendre quelqu'un dire amen. I want to hear somebody saying parce que connaître. To know, c'est la façon de percevoir. Is the way you perceive. Quand tu connais, when you know, tu as une autre perception des choses. You've got another perception of il y a une métanoïa. There is a metanoia. Tu ne vois plus les choses comme avant. You can't see things as before. Tu as une nouvelle perfection des choses. You've got a new perception of connaître, things. Connaître.
to know, c'est être renseigné sur une existence. Is to get information of an existence. Nous venons à l'église pour être renseignés. That's why we get to church, to be informed. Je suis ici pour vous faire renseigner. I'm here to inform you. Connaître, to know, c'est avoir acquis des connaissances. Is to have acquired knowledge. Quelqu'un qui connaît, somebody knows, il a acquis des connaissances. He acquired knowledge. Connaître Dieu, knowing God, c'est avoir une relation intime avec lui. Is to have an intimate relationship. Mais with him. Amen pour que je prêche. Say amen, I'll preach. Dites encore amen. Say amen. Vous voyez là, you see, connaître, to know, c'est avoir une connaissance profonde. Is to have a deep knowledge de Dieu avec lui. Of God with you. C'est pourquoi il y a une délivrance par la connaissance. That's why there is a deliverance with knowledge. En ces jours-là, in that day, les Égyptiens, the Egyptians, qui étaient étrangers à Dieu, they were foreigners to God, au temps de Pharaon, in the time of Pharaoh, ils ne connaissaient pas Dieu, they didn't know God, ils connaissaient les idoles, they knew the idols, ils adoraient Pharaon, they were worshiping Pharaoh, mais il y aura un temps qui viendra, but there will be a time to come, où ils vont connaître le vrai Dieu, when they will know the genuine God. Abraham a dit, Rabbanam say, ils connaîtront, they will know, le mystère, the mystery, de la parole, of the word. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Ils vont connaître le mystère révélé de ce temps de la fin. They will know the revealed mysteries of this end time. Ils vont connaître Apocalypse 17. They will know Revelation 10, 7. Ils connaîtront Dieu. They will know God. Oh, les catholiques connaissent que Jésus est Dieu. All Catholics knows that Jesus is God. C'est la vérité. Is that true? Les protestants croient ça. Protestants believe it. Les pentecôtistes croient tous les jours que Jésus est Dieu. But the Catholics believe Jesus is God. Mais est-ce que c'est ça connaître Dieu? Is that knowing God? Connaître Dieu, to know God, c'est connaître quelle est la forme. Is to know the form, the shape. Est-ce que je peux parler? Can I speak? Connaître, to know, les Égyptiens, the Egyptians, connaîtront, will know, la forme, the shape, que Dieu prendra, that God shall take, pour les libérer, to free them. Parce que, because, dans le premier exode, in the first seals, le libérateur n'était pas Moïse. The liberator wasn't Moses. Come on, young people. Come on, young people. Tu as dit, je suis descendu. You saw Jesus descending. Pour libérer mon peuple. To free my people. Mais j'envoie Moïse. But I send Moses. Frère Branham dit, cela veut dire. Brother Branham said it means. Dieu prend la forme de Moïse. God takes the shape of Moses. Ah, il n'y a pas d'amen. There is no amen. Si ça vous scandalise. If it shock you. Dieu lui-même dit. God himself said. Moïse. Moses. Je fais de toi Dieu. I make you God. Et Aaron ton prophète. And Aaron your prophet. Ceux qui étaient libérés. Those who were free. C'est ceux qui ont connu la forme. Are those who captured the shape. Hallelujah. Hallelujah. Ils ont compris. They understood. Ils ont connu. They knew que notre frère. That our brother. N'est pas seulement le fils d'Abraham et de Jochebed. Is not just the son of Abraham and Jochebed. Quand il rencontre les buissons ardents. When he met the burning bush. Il est devenu Dieu. He has become God. Moïse a voilé Dieu. And is God unveiled. Et il est le Christ de son temps. And he is Christ for his time. Mais dit amen. But say amen. Quand Josué a connu ça. When Joshua knew that. Caleb a connu ça. Caleb knew that. Cela a déclenché leur libération. It's free their liberation. En ce jour-là. On that day. Qui peut dire amen? Who can say les that? Égyptiens connaîtront Dieu. Egyptians shall know God. Dieu descendra. God will descend. Dans une nuée. In a cloud. Et il deviendra un homme. He will become a man. Les pentecôtistes ne le croiront pas. Pentecôtistes won't believe it. Mais les élus.
But the elected ones, ils verront Dieu. They will see God. Ils verront Dieu tout puissant. They will see the Almighty God. Dévoilé devant nous. Unveil before you. C'est ça connaître Dieu. That is to know God. Qui peut dire amen? Who can say amen? Ils connaîtront Dieu. They shall know God. Quelle est sa forme? What is his shape? C'est ce qui libère. That's what free you. Alors remarquez. Then notice. Allons rapidement remarquer. Let's go quick. Notice. Remarquez qu'avec ça. Notice that with him. L'Éternel est monté sur une nuée rapide. The Lord went on a quick cloud. Il vient en Égypte. He comes to Egypt. C'est-à-dire en Afrique. It means to Africa. Cette nuée qui est descendue. That cloud that descended. Qui est là-haut? Who is there? C'est l'Éternel. It's the Lord. C'est Jésus. It's Jesus. Mais la nuée là. But that cloud. Va quitter l'Amérique. Will leave America. Ça viendra en Égypte. It comes to Egypt. La nuée sera en Afrique. The cloud will be in Africa. Merci Seigneur. Thank you Lord. Et les Africains auront un témoignage vivant. And the Africans shall be a living testimony. Un sacrifice pour Dieu. Sacrifices for God. Ils auront aussi des vertus et d'offrandes. They will also have virtues and offerings. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Parce que depuis l'Ancien Testament. Because from the Old Testament. Ils étaient cachés dans les types. They were hidden in the types. Saisissons quelques types ici. Let's catch some types. Remarquez Abraham. Look, Abraham. A eu un enfant avec une Africaine. He had a son with an African. Agar était une Africaine. Agar was an African. Mais dites amen, non? Say amen. Et remarquez. Notice. Moïse. Moses. Dans le même Abraham. No, the same Abraham. Quand Sarah est morte. When Sarah died. Il épousa Keturah. He married Keturah. C'était une femme noire. She was a black woman. Mais dites amen. Say amen. Et remarquez. Notice. Joseph. Joseph. L'arrière-fils d'Abraham. The grandson of Abraham. Quand il est devenu Saphnath Panéas. When he became Saphnath Panéas. Gouverneur de l'Égypte. A governor of Egypt. Il a épousé Asnath. He married Asnath. Asnath était une femme noire. Asnath was a black woman. Une Égyptienne. An Egyptian. Qui peut dire amen? Who can say amen? C'est un grand mystère. It's a mystery. Quand Jésus aura le nom nouveau. When Jesus will have the new name. Qui sera révélé dans les tonnerres. Revealed in the thunders. Il viendra épouser une femme égyptienne. He will come and marry an Egyptian woman. Est-ce qu'Asnath peut dire amen? Can Asnath say amen? Gloire à Dieu. Glory to God. Manassé et Ephraïm. Manasseh and Ephraim, qui sont comptés parmi les 12 tribus d'Israël. They are counted from the 12 tribes of Israel. Savez-vous que ce sont des métis? Do you know they are colored? Leur maman est noire. Their mother are black. Is black. She's black. Dit amen. Say amen. Moïse, le libérateur des Juifs. Moses, the liberator of the Jews. Il s'est marié avec une Africaine appelée Sephora. He got married to an African called Sephora. Ils ont eu des enfants. They had children. Vous voyez depuis l'Ancien Testament, allons rapidement. See from the Old Testament. Let's go quickly. Vous voyez là? See la Sunamite. The Sunamite. L'épouse noire de Salomon. The black wife of Solomon. Elle dit, je suis noire mais je suis belle. She said I'm black but I'm beautiful. Salomon a eu plusieurs femmes, mille. Solomon had a lot of women. Et l'unique thousand. Femme de Salomon a écrit. But the only wife for whom he wrote. C'est la femme noire. Is the black wife. Est-ce que je peux dire quelque chose? Can I say something? Quand vous lisez Cantique de Cantique. When you read the songs of songs. Frère Branham est venu songs of Solomon. Ça. Frère Branham came to reveal it. Il a observé. He said notice. Quand la femme parlait de la beauté de Salomon, when the wife was talking about the beauty of Solomon, il ne commence pas par les pieds. She doesn't start by the feet. Il dit mon mari, il a la tête distinguée parmi les 10,000. She said my husband, a distinguished head among 1,000. Parce qu'un homme c'est toujours la tête. Because a man it's always the head. Qu'est-ce qui est arrivé le 28 février? What happened on the 28th February? Le grand Salomon est apparu. The great Solomon appeared. Mais sa tête, but his head, n'est pas comme tout le monde. Is not like all. Il a une perruque blanche. He's got a white wig. Il est le plus beau d'entre 10,000. 1,000. I'm a bit more handsome. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Mais frère Branham remarque. My brother Branham said notice. Quand Salomon parlait de la beauté de la noire. When Solomon now speaks about the beauty of the black. Il ne commence pas par la tête. He does not start by the head. Salomon dit oh. Solomon said oh. Tes pieds sont jolis dans tes chaussures. Your feet are beautiful in your shoes. Fille du roi. Daughter of the Et king. Les pieds dans la chaussure c'est les ailes. And the feet in the shoes
is the zeal. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Let me tell you something this morning. Dieu pour t'aimer. God to love you. Il commence par voir ton zèle. He starts by looking at your zeal. Même si tu es faible. Even if you're weak. Ayez toujours le zèle de venir écouter la parole. Always get the zeal to come listen to the word. C'est ça l'identification de l'épouse. That's the identification of the bride. Pourquoi les autres viennent à l'église? That's why others come to church. Ils écoutent ces choses. They listen to these things. Ils sont froids et formalistes. They are cold and formalists. Parce qu'ils ne comprennent rien. Because they don't understand anything. Et nous, la Tsunamite. But us, the Tsunamite. Nous avons le zèle dans la chaussure. We've got zeal in the shoes. Nous avons le zèle de la parole. We have the zeal of the word. Parce que nous sommes la femme noire. Because we are the black woman. Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Remarquez. Notice. Simon le Cyrène. Simon the Siren. Qui a aidé Jésus. Who helped Jesus. Était un noir. He was black. Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Jésus portait la croix. Jesus carried the cross. Pour le péché des Chinois. For the sin of Chinese. Le péché des Juifs. The sin of Jews. Le péché des Blancs. The sin of Blancs. Le péché de tout le monde. All the sins of the world. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe it? Mais quand il est tombé, when he fell, personne n'est venu l'aider. No one came to support un noir, him, but a black man, un noir, a black man, est venu aider Jésus. He came to help Jesus. C'est ça votre place. It's your place. Nous allons aider Jésus. We helping Jesus. Pour terminer la rédemption. To finish redemption. Alléluia. Alléluia. Oui, mes frères. Yes, brothers. Jésus ne finit pas la rédemption. Jesus do not finish redemption. Come on. Come on. Jésus ne finit pas la rédemption. Jesus do not finish redemption. Il amène ça quelque part. He bring it somewhere. Mais il y a une partie pour finir. There is a part to end. Les noirs vont porter ça. The black will carry it. Oh, praise God. Oh, praise God. C'est pourquoi William Branham. That's why William Branham, le libérateur, the liberator, quand il priait pour un noir, when he prayed for a black man, s'il dit au nom de Jésus, if he said in Jesus' name, les démons résistent, the demon withstand, il dit que par ma commission, he said by my commission, si les démons résistent, if the demon stand, il prend le joker, he take the joker, il dit oh Seigneur Jésus, he said oh Lord Jesus, souviens-toi, remember, leur grand-père. Their grandfather avait porté ta croix. Carried your cross. Toi aussi viens les aider. Also come and help. Et gloire à Dieu, amen. Glory to God. Et ce matin l'esprit du Seigneur m'a oint. And this morning the spirit of the Lord has anointed me. Peu importe tes faiblesses. No matter. Jésus va se souvenir de toi. You receive it. Gloire à Dieu. Glory to God. Nous l'avons aidé à porter la croix. We help him to carry the cross. Il est ici pour aider. He amen. He is here. To help Amen Tabernacle. Si tu crois, dis amen. If you believe, say amen. Voici le noir. That's the blacks. C'est pourquoi Zakola termine la rédemption. That's why Zakola finish redemption. Les frères de man, frère Zakola. Brothers ask, brother Zakola. Qui tu es? Who are you? Tu sembles un peu orgueilleux. You are proud, eh? Je ne suis pas orgueilleux. I'm not proud. Mais j'ai la foi. But I've got faith. Quelle foi? Which faith? Je connais. I know. Ce que la Bible dit à mon sujet. What the Bible says about me. Je vais porter la croix du message. I will carry the cross of the message. Et je suis la voix finale. And I am the final voice. Sous le messager. Under the messenger. Est-ce que vous le croyez ce matin? Do you believe it? Oui, mes frères. Yes, brothers. Dans vos prières, il faut savoir prier. In your prayers, know how to pray. Jésus a notre tête. Jesus had our head. Frère Zakola, c'est difficile, hein? Is that hard, brother Zakola? Edengana aide auto edana. Oh. Tu connais pas Lingala, tant pis. Help me, I will help you. Yeah. Yes. On l'avait aidé. We help him. Lui aussi doit nous aider. He must also help us. Frère Zakola, qu'est-ce qui se passe? Brother Zakola, what's happening? Jésus m'aide toujours. Jesus is always helping me. Il m'aide toujours. He always helps me. Toi qui étais tombé, relève-toi. You fell, stand. Je sais que le message est dur. I know the message is hard. Mais même quand tu tombes, but when you fail, Jésus prendra la croix, il va t'aider. Jesus will carry your cross and help you. Ouais, il est ici en train d'aider, amen. That's why he's here, helping, amen. Et une génération méchante ne comprend pas ce qui se passe, amen. And an evil generation don't know what's happening in heaven. Frère Dominique, tu vois pourquoi Dieu a aidé ta fille dans la synagogue? You see why God help your daughter? Quand tu aides Dieu, when you help God, Dieu aussi t'aidera. God also will help you. Il n'est pas un Dieu ingrat.
is not and selfish, ungrateful God. He's a God of memories. Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. L'Enoch Éthiopien. Ethiopian Enoch. Que Philippe a prêché. That Philip spoke about. Était un noir. He was a black. Un riche. A rich. Je prêche aux riches. I speak to the rich. Toi, tu es l'Enoch Éthiopien. You are an Enoch Ethiopian. C'est pourquoi le diacre d'Amen. That's why the deacon of Amen. Philippe était diacre. Philip was a deacon. Vous devez prêcher les riches ici. You need to preach to rich people. Gloire à Dieu. Glory to God. Et Jésus a promis. And Jesus promised. Que la reine du Midi. The queen of the south. La reine du sud. The queen of the south. Se lèvera. Shall rise. Avec beaucoup de richesses. With a lot of wealth. Lève-toi avec des millions. Rise with millions. Recevez-le pendant que je prêche. Receive it while I'm preaching. Oh, quelle onction ce matin. Oh, what anointing this morning. Je sens seulement la délivrance. I just feel the deliverance. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. If you don't believe, I believe for you. Quelque chose de surnaturel est ici. Something supernatural is here. Gloire à Dieu. Glory to God. I don't care. Je m'en fous. What you did yesterday. Said to pass. Yeah. I don't care. Je m'en fous. Quel péché tu as fait? Say that what you have done. Je ne suis pas ici pour te condamner. I'm not here to condemn you. Je suis ici pour te parler. I'm here to speak to you. De la venue de libérateur. That is coming. Over deliverer. Les Africains crieront à l'Éternel. South African, we shout to the Lord. Et il va leur envoyer un libérateur. He will say to them, a deliverer. Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Vous voyez ces choses. You see these things. Même la femme est cananéenne. Even a Canaanite woman. Madame Lot qui donnait naissance à la Moabite à Ruth. With Ruth, the Moabite. Elle était noire. She was a black lady. Ruth aussi était notre sœur. Ruth also was her sister. La femme de Boaz. The Boaz's wife. Elle était noire. She was a black. Vous voyez cela. You see that. C'est difficile ces choses. It's difficult those things. C'est de lui qu'est né David et Jésus. Came Jesus. Rebecca, la femme d'Isaac. Rebecca, Isaac's wife. La Bible n'a rien dit de lui. The Bible never spoke about her. Mais quand Frère Branham vient. But when Brother Branham comes. Il dit Eliezer a rencontré cette jeune fille avec une peau noire. It's hallelujah. Eliezer met that girl in black skin. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? C'est notre sœur. She's our sister. Qui est la Rebecca noire? You are the black Rebecca. Vous voyez? You see? Simon de Cyrène noir. Simon de Cyrène are black. Quand Jésus, when Jesus, était mis au monde, was conceived. Hérode voulait tuer les enfants. Hérode want to kill children. Jésus n'est pas parti en refuge en Amérique. Jesus never go to refuge in America. Il est venu demander refuge en Égypte. He came to ask for exile in Africa. Une génération de faux prédicateurs. Gloire à Dieu. A generation of false preachers. Ils sont là, ouais, ouais. They are there, En train de condamner les enfants de Dieu. Condemning the children of God. Disant que pourquoi vous avez les Ngunda. Saying why you've got asylum seekers. Écoutez la voix des grandes eaux. Listen to the voice of big waters. Vous ne connaissez pas les mystères. You don't know the mystery. Les premiers réfugiés qui avait les Ngunda. The first refuge, asylum. Jésus était Ngunda. Jesus was an asylum seeker. Être réfugié, ce n'est pas un péché. To be asylum seeker is not a sin. Répondez amen. Say amen. Il a fui en Égypte. He ran to Egypt. Les premiers voisins de Jésus étaient des noirs. The first neighbor of Jesus were black people. Les premiers amis de Jésus dans l'enfance étaient des noirs. The first friend of Jesus when he was a baby was black people. La première langue que Jésus a parlé était une langue noire. The first language Jesus spoke was a black language. Tu vois, on ne joue pas avec les noirs. That one don't play with black people. Nous avons la place dans l'histoire de la rédemption. We've got a position in history of redemption. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Le jardin de Dieu. The garden of Eden. La Bible dit. The Bible says. Adam était dans le jardin de Dieu. Adam was in the garden of Eden. Mais quand le prophète vient. Now, when the prophet came. Lui qui donne les précisions. Him that give precision. Il dit le jardin de Dieu. He said the garden of Eden. Était en Afrique. Was in Africa. C'est pour la rédemption. That was redemption. A commencé en Afrique. Started in Africa. Et la rédemption. Redemption. Terminera en Afrique. Will end in Africa. C'est toi Adam restauré. You are restored Adam. Gloire à Dieu. Glory to God.
out. Vous voyez ces choses. You see these things. Le temps de l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe. The time of fulfillment, this prophecy of Isaiah. C'est le temps de la fin. Is this end time? Ésaïe a dit en ces temps-là. Isaiah said in those days. Il y aura une route. There shall be a way. Une highway. A highway. Une autoroute. An highway sing. There be a highway as a sign. Quand cela s'accomplira. When that will be fulfilled. Et toutes les Égyptiens s'élèvent. Let all Egyptians rise. Et le libérateur est déjà là. Because the deliverer is there. Et remarquez, Frère Branham a dit. Notice Branham said. Dans l'écriture sur la miraille. He spoke with the scripture on the wall. Paragraph 133, il dit. Paragraph 133. Il dit, du temps du monde entier, il vient. Is de Noé. In the time of Noah. Quand ils avaient conçu les sphinx. When they built fences. Et les pyramides. And pyramids. Que nous pouvons pas produire aujourd'hui. Which we cannot do today. Vous voyez. You see. Si nous devions le faire encore dans ces mêmes pays. If we can still do it in the same country. Où les conflits sont en train de commencer maintenant en Égypte. Where conflict is starting in Egypt. Une prophétie biblique les plus saisissantes. A one of strong prophecy of the Bible. Si nous avons le temps d'y entrer. If we've got time to speak on that. Mais nous n'avons pas le temps, mais remarquez. We don't have time, but notice. Dieu prophétisa en Ézéchiel aux environs 9e ou 19e chapitre. God prophesying in Ezekiel. Il voulait dire Esaïe là. Il dit j'oublie simplement maintenant dans lequel c'était. So I just forget in which way was it. Et dans les jours suivant la venue du Seigneur. In the day following the coming of the Lord. Il y aura un chemin battu de l'Égypte à la Syrie. There shall be a built road from Egypt to Syria. Ils viennent à peine d'achever cette route. They've just built that road. Amen. Say amen. Je mets ton amen. I like your amen. Quand la prophétie s'accomplit. When the prophecy is fulfilled. Aujourd'hui cette écriture est accomplie. Today this scripture is fulfilled. Esaïe 19 fait de l'histoire. Isaiah was saying is now history. En 56. In 76. Ils ont construit ce highway. In 56 they built that highway. Les gens ont vu un highway. People have seen the highway. Mais Frère Branham revient. But Branham come and say. Il dit dans Esaïe 19. He read in Isaiah 19. Que cet highway là. So that highway. C'est l'accomplissement. Is the fulfillment. Si l'highway a été construit rapidement. If the highway was built. Dieu n'accomplit pas les prophéties en demi-teinte. God doesn't fulfill half prophecies. S'il a accompli cela. If he fulfilled that, alors, then, le libérateur des Africains est là. The deliverer of Africa is here. En ce temps-là, in those days, il y aura un hôtel à l'Éternel au milieu du pays de l'Égypte. There will be an altar for the Lord in the middle of Egypt. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. That in the border, a pillar of the Lord. Venez-vous toutes les prophéties ont toujours multiple applications. Remember, any prophecy has got multiple applications. Voyez là, l'hôtel de l'Éternel, c'est la pyramide. You know, the altar of the Lord is the pyramid. Parce que la pyramide, c'est toute, c'est la deuxième Bible de Dieu. Because the pyramid is the second Bible of God. Ce n'est pas Khéops qui a construit ça. It's not Khéops that built the pyramid. À l'école, on vous a dit que c'est Khéops. At school, we were told that it was Khéops. Quand Frère Branham est venu. But when Brother Balaam came, c'est Enoch qui a construit. He told us it was Enoch that built the pyramid. Et il y a pas 3 mois, not 3 months ago, la science a confirmé. Science vindicated. Et la pyramide était construite avant le déluge. That the pyramid was built before the flood. Acclamons le Seigneur pour les prophètes. Let us clap the hand of the Lord for the prophets. Parce que la pyramide, la deuxième Bible, est connectée avec les zodiacs. Because the pyramid is linked with zodiac. Qui est la première Bible de Dieu? Which is the first Bible of God. Dans la deuxième Bible qui est le zodiac, pardon, la pyramide. The second Bible is the pyramid. Il y a la chambre de la reine jusqu'à la chambre du roi. Il y a 7 marches. Inside of the pyramid, they form the queen chamber to the king chamber. There are 7 steps. Qui sont les 7 ans de l'église jusqu'à Apocalypse 10. Which are the 7 churches up to Revelation 10. Dieu nous a révélé le mystère du tombeau ouvert dans la chambre du roi. And that revealed the mystery of open tomb in a king chamber. Là où nous voyons la face du maître. Where we saw the human face. Ça c'est pour les aigles. That is for the eagle. Pour les initiés éclairés dans la pyramide. For those are initiated
into the pyramid. Après les sept ans de l'église, that was after the seven church ages. L'église est dans la chambre du roi. The church is in a king chamber. Nous avons enlevé le tombeau ouvert. We remove the open tomb. L'épouse a vu la face du maître. The bride has seen the face of the master. Une prophétie peut avoir multiple application, multiple accomplissement. A prophecy can have multiple application, multiple fulfillment. La pyramide de nos vies. This is also the pyramid of our life. Dieu construit la statue d'un homme parfait dans ta vie. God is building the statue of perfect man into your life. Et tu deviens un monument. You become a monument, a pillar. Brother himself was a living pillar, a living monument. Nous mettons toujours cette photo. We always put this picture. Parce que nous sommes comme les Japonais. Because we are like Japanese. Ils regardent le monument de Hirohito. They are beholding the monument of Hirohito. Et nous regardons le monument du Dieu vivant. But us, we are beholding the monument of a living God. Pour tous qui avaient le visage découvert. All of you with unveiled faces. Contemplons comme dans un miroir. Beholding like in a mirror. La gloire du Seigneur qui descend sur le monument. The glory of the Lord descending upon the monument. Et les aigles disent amen. Let the eagle say amen. Et remarquez, ce serait pour l'Éternel la main, un signe, un témoignage dans le pays de l'Égypte. Like this, it will be a testimony like in the first Egypt. C'est chaud là, un signe. It will be a sign. Et un témoignage. A testimony. Dans le pays de l'Égypte. In the first Egypt. Ils crieront à l'Éternel. They will cry to the Lord. À cause des oppresseurs. Because of oppressors. À cause des Belges. Because of Belgian des people. Français. French people. Des Boers. Poor people. Tous ces colons là. All those colons. Ils crieront à l'Éternel. They will cry to the Lord. Il leur enverra un défenseur. He will send to them a defender. Remarquez, les Africains sont devenus esclaves par les blancs. Notice, Africans became slaves through white people. Ils sont même partis jusqu'en Amérique comme esclaves. They even went to America as slaves. Comme des esclaves. Just as slaves. Comme les blancs ont dit que un noir c'est un animal. The white man say a black is an animal. Ils les faisaient travailler dans les champs. They make him work in the field. Pendant que quand une prophétie vient. Bible says, when a prophecy comes, Dieu peut commencer à l'accomplir dans un type. God can start fulfill it from a type. Jusqu'à ce qu'en 1809, until in 1809, l'ombre de la prophétie commence. The shadow of the prophecy started. Remarquez, en 1809. Notice, in 1809, 100 ans avant Frère Branham. 100 years before Brother Branham. Lui aussi un nom Abraham. Him also a name Abraham. Un type de Branham. A type of Branham. Lui aussi Lincoln 7 lettres. Him also Lincoln 7 letters. Comme William. Just like William. Lui aussi est né dans une cabane. Him also was born in a cabin. Il est né dans une cabane à 100 miles de mon cabane. Bible say Abraham Lincoln was born in a cabin 100 miles from mine. 100 ans avant ma naissance. 100 years before my birth. Et il est soupçonné que sa mère était esclave. Hallelujah. There are suspicions that his mother was a slave. Premier président noir des États-Unis, ce n'est pas Barack Obama. The first black president in America is not Barack Obama. Il est plutôt le septième. He's actually the seventh one. Caché ce secret là. He was hiding that secret. Mais il était élevé par une mère blanche. But he was raised up by a white man, white woman. Il est de Kentucky comme Frère Branham. He's from Kentucky, just like Branham said. Il a vu comment les blancs faisaient souffrir les noirs. He saw how black white people makes black people to suffer. Il dit, Seigneur, si tu me laisses vivre. Then he said, Lord, if you allow me to live, je vais combattre l'esclavage. I will fight slavery. Parce que l'homme, Dieu a fait l'homme. Because God make man, l'homme a fait l'esclave. Man makes slave. Dieu ne veut pas que toi tu sois esclave. God doesn't want you to be slave. Ce n'est pas la volonté de Dieu. It's not the will of God. Et il apprenait à écrire, à lire par la Bible. And he learned to read and to write by the Bible. Et un jour il a dit, then one day he said, il dit tous les biens, all que proviennent du Sauveur,
All the things that come from the Savior est communiqué dans ces livres de la Bible. Is being communicated from this Bible of the Bible. La Bible contient toutes choses que les hommes désirent. The Bible contains everything that man desire. La révélation d'Abraham Lincoln. That was the revelation of Abraham Lincoln. Remarquez, notice, en ce moment-là, in that time, en 1860, in 1860, remarquez, il a nom William Abraham Lincoln comme William Branham. Look the name Abraham Lincoln just like William Branham. Il est né dans une cabane comme Frère Branham dans une cabane. He was born in a cabin just like Paul Branham was born in a cabin. 100 ans avant Frère Branham. 100 years before Paul Branham. Sa cabane avec la cabane de Frère Branham à la distance de 100 miles. The distance of those two cabins, this distance for 100 miles. Et remarquez en 1860. Notice in 1860. Il est devenu chef. He became chief. Dans le Parlement. In Parliament, American président. Parliament. He became president. Branham aussi en 1960. Branham as well. In 1960, il entre au ciel. He entered in heaven. Et on dit notre précieux frère. And we shouted our precious brother. Il est assis là. He was seated there. Pourquoi je suis assis élevé? Why am I sitting in a higher position? Sur la terre, tu es chef. Because on earth, you were a chief. Oh, je croyais que les aigles vont crier amen. I told the eagle will shout amen. Branham est le chef du monde entier. Branham is the chief of the entire world. En 1863, in 1863, Abraham Lincoln state, demain, tomorrow, quand le soleil va se lever, when the sun will rise, je signe. A sign. Tous les noirs sont libres. All the black people are free. Plus d'esclavage. No more slavery. C'est lui qui était le libérateur dans l'ombre. It's him who was the deliverer in the shadow. Et ce jour-là, and that day, les noirs qui connaissaient ces choses, the black people who knew those things, qui ont compris, those who understood, la lettre de la libération, the letter of the freedom, ils n'ont pas attendu 6 heures. They never waited for 6 o'clock. Vers 3 heures du matin. Around 3 o'clock in the morning. Ils ont commencé à monter dans la montagne. They start climbing the mountain. Ceux qui étaient fatigués sont restés dans la maison. Those who were tired remained at home. Pourquoi les fatigués restaient là? That's why you who are tired remained there. Les forts ont monté. The strongest, they start to climb. Les autres sont restés au milieu. Others remained in the middle of the mountain. Les autres sont partis un peu plus loin. Others were on top. Mais il y avait un. But there was one qui était le plus robuste, who was the stronger, le plus fort, the stronger one. Il est arrivé au sommet. He reached the top of the mountain. Et il attendait. And he was waiting. Quand seulement vers 3h30. Just around 3:30. Il a vu seulement les étincelles du soleil. He started seeing the lightning of the sun. Lui n'attend pas. Him, he doesn't wait. Quand il regarde là-bas, when he looked there. He saw, man, il voit quelques lumières. He saw some lights. Mais quand il regarde dans le camp, when you look in the camp, c'est encore la nuit. It's still at night. Mais lui ne regarde pas la nuit. Him, he don't look to the night. Il regarde à la lettre de la libération. He look to the letter il of a the liberation. Blew the trumpet. He blew the trumpet. Et nous sommes libres. He said, we are free. Ceux qui étaient au milieu, those who were in the middle of the top, pas dit que nous voulons voir. Alléluia. They never shout, we also want to see. La foi ne vient pas dans ce qu'on voit. Alléluia. Faith doesn't come by what we see. Mais de ce qu'on entend. By what we hear. Et aussi sans foi. Them also. Ils ont dit, nous sommes libres. They shouted, we are free. Les cris sont partis jusque dans les camps. They shout went to the camp. Et c'était la liberté des noirs aux États-Unis. It was the freedom of black people in America. C'est arrivé jusqu'au Gabon. It reached up to Gabon. C'est ce qu'on appelle Libreville. That why it's been called Libreville. C'est la première ville ici où les noirs étaient libres. It was the first city in Africa where black people were free. Et je suis ici pour vous dire, I'm here to tell you. Il y a ici plus qu'Abraham Lincoln. There is here greater than Abraham Lincoln. En même année, en 1963, in 1963, un prophète, one prophet, Dieu devait nous libérer dans les sceaux.
God have to set us free in the seals. Les incrédules sont restés dans les églises. Unbelievers remain in the churches. Dans les premiers pull. In the first pool. Et nous nous sommes montés un peu. Hey, us, we come a little bit. Mais il y a un parmi nous. But there's one among us. Ce n'est pas Baruti. He's not Baruti. Ce n'est pas Zakola. He's not Zakola. C'est William Branham. He's William Branham. Il dans la montagne du soleil couchant. He went on sunset mountain. Moi, je n'étais pas là les 8 mars. Me, I was not there. Mais quand il a vu la nuée. But when he saw the clouds. Il ouvre le sang. He opened the sea. Au jour de la voix du septième ange. But in the days of the voice of the seventh angel. La trompette. When he shall sound the trumpet. Le pousse à la liberté. The branch is free. Et ce matin. And this morning. Même si tu ne vois rien. Even though you don't see. Moi votre pasteur. Me your pastor. Je suis monté dans la montagne. I reach the mountain. Je vous déclare libre. I declare you are free. Tu es libre ce matin. You are free this morning. Libre du péché. You are free from sin. Libre de la malédiction. You are free. Est-ce que tu peux dire amen? Can you say amen? C'est l'année du jubilé. This day of jubilee. Je suis libre de la maladie. I'm free from sickness. Je suis libre du péché. I'm free from sin. Je suis libre du sida. I'm free from HIV. Je suis libre du cancer. I'm free from cancer. Recevez la liberté. Receive your freedom. Je suis libre de la maladie. I'm free from sickness. Je suis libre de la pauvreté. I'm free from poverty. Cette année. This year. Cette année. This year. Le diable dira. The devil will say. Zakola a touché encore. Zakola have touched again. Qu'est-ce que j'ai touché? What did I have touched? La révélation de Isaïe 19. The revelation of Isaiah 19. Je proclame la liberté à Amen Tabernacle. I proclaim freedom in Amen Tabernacle. Tu n'es plus esclave. You are no more free. Si tu doutes, hein? If you doubt, fais comme un sambo. Do like Sambo. My name is Sambo. But I say Sambo. He was a slave d'un blanc. He was slave of a white man. Mais un matin, il est venu à l'église. One morning he came to church. Son pasteur a dit Sambo. His pastor said Sambo. Oh, Christ, nous sommes libres. We are free. Et Sambo a levé la main comme maman Miriam. Voilà la Sambo place. Left his hand like maman Miriam. Alors, then, il est rentré. He went. Il dit, patron. He said, boss. Je suis libre. I'm free. Il dit Sambo. Sambo. Qu'est-ce qui se passe? What's wrong? Je suis libre en Christ. I'm free in Christ. Son patron pensait qu'il a bu. His boss thought that he drank. Comme beaucoup pensent que Zako l'a bu. Like many think that Zako l'a drank. Nous on ne boit pas, on ne fume pas. As we don't drink, we don't smoke. Mais j'ai la révélation. I've got a revelation. Ce matin je vois Satan inexistant. This morning I see Satan. He doesn't exist. Par mes yeux ici. With my eyes here. Sambo. Sambo. Dors un peu, dors. Sleep here, sleep. Le matin dit Sambo, réveille. Sambo, wake up. Tu es libre? Are you free? Il dit, mais je suis libre. Of course I'm free. Il dit, pourquoi? Why? Je suis en Christ. I am in Christ. Mais Sambo, qu'est-ce qui est arrivé? Sambo, what happened to you? Il dit, cher patron. Dieu boss. J'étais parti dans une église. I went into a church. Et le pasteur m'a dit, je suis libre. The pastor told me that I'm free. Il dit, tu crois ça? He asked him, do you believe that? Il dit, bien sûr, je crois. Of course, I do believe. Il dit, comme tu crois que tu es libre. Yes, you believe you are free. Écoutez le mystère. Listen to the mystery. Comme tu crois que tu es libre. Yes, you believe you are free. Comme tu crois que tu es libre. Yes, you believe that you are free. Comme tu crois que tu es guéri. Yes, you believe you are healed. Comme tu crois que tu es libre de la maladie. Yes, you believe you are free from sickness. Le patron dit, moi aussi je suis que tu es libre. And the father said, I also son, you are free. Quand vous sortirez ce matin de l'église, amen. When you go out from the church, on va vous demander. They will ask you. Qu'est-ce qui se passe? What happened? Dites au démon. Tell the demon. Je suis libre de la maladie. I'm free from sickness. Aujourd'hui je ne touche personne. Today, I don't touch anyone. Je vais proclamer la liberté. I'll proclaim the freedom. Quand le démon te dit que tu es sûr, the demon tell you, are you sure? Même si c'est fâche, even though he's angry, la maladie devient grave.
The sickness become awful. La pauvreté devient grave. Poverty become awful. Non, c'est les démons qui se fâchent. It's only the demon. Il te dit, tu es libre. Tell him you are free. Dis-lui que je suis libre. Tell him I am free. Pourquoi? Why? J'étais parti au mois d'avril dans une église appelée Amen et Tabernacle. I went in April month into a church called Amen Tabernacle. Pour fêter les 110 ans de la naissance de liberté. To rejoice the 110 years of the birth of the Israelite. Un prédicateur appelé Jean-Papi Zako la Mombonzenga. A preacher called Jean-Papi Mombonzenga. Il m'a dit que je suis libre. He told me I am free. Et je crois que je suis libre. And I believe I'm free. Recevez la liberté ce matin. Receive your freedom this morning. L'ouverture de cette sceau. The opening of the seven seals. Abraham dit. Balaam said. Every name shall know. Not some name. Pas certain nom. Every name in the book shall know dans le livre. J'ai appelé ça et ils sont libres. God call it and they are free. Ah, d'ailleurs l'incrédule est parmi vous. Oh, unbelief is upon you. Je croyais que quelqu'un va courir ici dans la salle comme Maman Bobo. I thought somebody will run like Maman Bobo. Vous n'êtes pas délivré ce matin. You are not free this morning. Ce n'est pas moi qui vous délivre. It's not me that set you free. Depuis 1963. Since 1963. Un prophète a appelé every name. One prophet call each name. Est-ce que mon nom y est? Is my name in there? Ami, je ne sais pas. But I say I don't know. Ça n'appelle pas Zakola. It doesn't call Zakola. Mais si ton nom est. But if your name is in. Quand le mystère est proclamé. When the mystery has been proclaimed. Il y a les cris de joie. There is a shout of joy. Il y a des alléluia. There is alléluia. Il y a des onctions. Il y a gloire à Dieu. There is a glory of God. Je me dis pourquoi. Why say why? Jean. John. A vision. So John. Zakola. Zakola. A vu Zakola. So Zakola. Un Zakola dans le corps. With Zakola the body. De l'esclavage. Of slavery. A vu sa théophanie. So his théophanie. Recevez ta liberté ce matin. Receive your freedom this morning. Tu es libre. You are free. Ton nom est dans le livre. Your name is in the book. Et Abraham Lincoln est mort en 1865. Abraham Lincoln died in 1865. À 56 ans. At 56 years. William Branham est mort en 1965. William Branham died in 1965. À 56 ans aussi. At 56 years as well. Branham dit, nous sommes les grands de Kentucky, moi et lui. Branham said, we are those two great from Kentucky, me and him. Et pour honorer Abraham Lincoln. And to honor Abraham Lincoln. L'Amérique a dessiné sa face dans les rochers. Oh, America engraved his face in the rock. Pour que les générations des esclaves. So that the generation of slaves. Voient celui qui les a libérés. To see the one who set them free. Et il a été tué par les catholiques. He was killed by Catholics. Quand Dieu a vu ça. When God saw that. Par les mains des hommes. Not human hands. Dieu lui-même est descendu. God himself descended. Les anges. Angels. Ont façonné la face de Branham. Shape the face of Branham. Pour les générations futures. For the future generation. Oh, je me sens religieux ce matin. I feel religious. Quand je vois cette face. When I see this face. Je sais que je suis libre. I know. I am free. Quand je vois cela, mes amis, when I see that, my friend, ça me donne l'envie de pleurer. It gives me the feeling of crying. Je crois que Amen Tabernacle est libre. I see. Amen Tabernacle is free. Nous sommes une église libérée. We are a free church. Tu es libre de la maladie. You are free from sickness. Libre de l'adultère. You are free from adultery. Libre du péché. You are free from sin. Il a gravé la face du prophète. There he gave the face of the prophet. Un signe éternel. An eternal sign. Pour les générations de young people. For the generation of young people. Personne ne peut me rendre esclave. Nobody can set me free. Je suis libre. I am free. Par
force. No, because of my strength. Un prophète libérateur est venu. Un prophète. Et fille de point de calme. Et je suis libre, moi. I am free. Tu n'es plus esclave de la maladie. You are no more slave of sickness. Oh, je sens la présence de cet ange. Oh, I feel the presence of this angel. Quelque chose de glorieux arrive ici ce matin. Something glorious happened here this morning. Personne ne sortira tel qu'il est venu. Nobody will go out the way he came. Le libérateur des Africains. The liberator of Africans. Ce n'est pas Abraham Lincoln. He's not Abraham Lincoln. Lui, c'est la politique. Him is politics. Le libérateur des Africains. The liberator of Africans. C'est William Marion Branham. He's William Marion Branham. Oh, nous étions esclaves. Oh, we were slaves. Tout le monde disait les Africains. Everybody was saying Africans. Ils n'ont pas d'âme. They don't have souls. Mais Sam Branham est venu. But when Branham came, il dit les Africains sont spirituels. He said, Africans are spiritual. Dieu m'a envoyé vers mes frères. He said, God, send me to my black brothers. C'est eux qui recevront mon message. It's them that will receive my message. Et il nous a libérés. And he set us free. Et les gens se posaient des questions. And people asking questions. Oh, laissez-moi vous dire ça. Allow me to tell you. L'onction est grande. Je ne sais pas si je dois terminer the ou pas. The anointing is so great. I don't know if you are correct. Je sens ma liberté ce matin. I feel my freedom this morning. Quelque chose est arrivé dans cette salle. Some freedom bearing this message. Oui, mes frères. Yes, my brother. Frère Branham me dit. Paul Abraham said. Dans les films des 10 commandements. In a movie of 10 commandments. Il a raconté Yul Brynner. He met the actor Yul Brynner. Il dit dans le propre accord de la parole. He responds well, ashamed because of the word. Hollywood commence à tourner les films de Dieu. Hollywood start to make the movie of God. Alors Dieu est en œuvre maintenant. Then God is on scene right now. Et remarquez dans ces films, combien ont vu ça? How many watched that movie? Quand on a arrêté Moïse. When Moses was arrested. Pourquoi Moïse, un Égyptien, doit libérer les Juifs? Why Moses, an Egyptian, must set free the Jews? Pourquoi? Why? Et on a dit Moïse. They ask Moses. N'est pas Égyptien. Moses is not an Egyptian. Il est le fils d'Abraham et de Jochebed. He is the son of Abraham and Jochebed. Qui peut dire amen? Who can say amen? Nous disons la même chose. We saying the same things. Pourquoi Branham est blanc? Why that Branham is black is white. American. An American. Un libérateur de noirs. A liberator of black people. Branham n'est pas un Américain. Branham is not an American. Branham c'est l'étoile dans la main de Dieu. Branham is the star in God's hand. Branham est le septième messager. Branham is the seventh messenger. Branham est le Christ de ces jours. Branham is the Christ of this day. Oh man. Oh my! Il dit Canadien et Américain. He said, Canadien et Américain. Levez vos mains. Lift up your hands. Et dites. And say. Nous sommes un peuple embrouillé. We are confused people. Nous avons besoin des Africains. We need Africans. C'est pourquoi il est venu sur 51. That's why he came here in 1951. Dans ce pays-ci. In this country. Il a trouvé l'apartheid. He found apartheid. Il a condamné ça. He condemned it. Il dit un jour les noirs se soulèveront. He said one day the black will rise. Il dit les noirs n'ont plus besoin d'être esclaves. He said black people don't need to still become slaves. Ils ont besoin de l'amour. They need love. Et l'amour c'est ce message. And love is this message. Et quand il est retourné, when he returned, il dit ils vont se soulever un jour. He said one day they will rise. Quand Mandela a fait Ikutu Yuzu. Well, Mandela make Ukutu use the branch armée de l'ANC. The armed branch of armed branch. Ils ont commencé à bombarder partout. They start to make bombs all over. Branham dit, vous savez ce que j'avais dit? Branham said, remember what I told you. Ces gens-là combattent pour leur liberté. Those people, they are fighting for their freedom. Vous devez combattre pour votre liberté. You must fight for your freedom. Tu ne dois pas accepter Satan de te dominer. You should no longer allow Satan to rule over you. Alors, then, il prophétisa sur Mandela. He prophesies on Mandela. Mandela est l'œuvre de la prophétie de Frère Branham. Mandela is the works of Brother Branham prophecy. Branham croyait qu'un jour l'apartheid sera terminé. Branham believed one day apartheid will be over. Et en 94, c'est terminé.
And in 94 it was over. Le vrai libérateur des sites africains, c'est pas Mandela, c'est William Branham. The true deliverer, liberator of South African, is not Mandela, but is William Branham. Quand il est venu en 51, when he came in 1951, 7 camions de béquilles. There were 7 tracks of witches. Il a libéré les noirs de l'esclavage de la maladie. He set free black people from the slavery of sicknesses. Et maintenant je te déclare guéri. This morning I declare you've been healed. Il y a une commission. There is a commission. Si tu amènes les gens à te croire, if you bring people to believe you, croyez-vous William Branham? Do you believe William Branham? Rien ne résistera à sa prière. Nothing will stand his prayer. Et rien ne peut résister ce matin. And nothing can stand this morning. Il a discerné les pensées des cœurs. He discerned the thought of hearts. Il a libéré leur esprit. He set free. Il est revenu en 65. He returned here in 1965. Avec le troisième pull. With the third pull. Pour libérer leurs âmes. To set free their souls. On l'a empêché de prêcher. Amen. They prevented him to preach. Et il est retourné. He went back. Mais il a promis. But he promised. Je reviendrai en Afrique du Sud. I shall return in South Africa. Et nous aurons des grandes réunions. We shall have great meetings. Et il a vu une vision. And he saw a vision. Il dit, j'ai vu ma réunion de Durban. I saw my meeting in Durban. Passé dans l'histoire. Passing in history. J'ai vu une nouvelle réunion. I saw another new meeting. J'ai voulu regarder. I wanted to look. Étaient tous des blancs. Were there all white people? Il dit non. He said no. Il dit, j'ai vu la grande race noire. He said, I saw the great black race. Avec leurs mains levées. Lift up the hand. Louant Dieu. Praising God. À ce moment précis, then, j'ai entendu un bruit. I heard noise. Comme une dynamo qui tourne. Like a turning dynamo. Nous sommes la génération de la dernière dynamo. We are the generation of the last dynamo. Je reviendrai en Afrique du Sud. He said, I shall return in South Africa. Pour des grandes réunions. For the great meetings. Mais le 24 décembre, il n'est plus revenu. But the 24th December, he's gone. Qu'est-ce qui se passe? What's going on? C'est l'issue du ministère d'Élie. He's the following up of the ministry of Elijah. Oh, la présence de Dieu descend. Il n'y a plus moyen de terminer ces choses. Oh, show. The presence of God is come down. There's no one to finish this. Qui a dit à Élie? God said to Elijah. Tu viendras à Azaël. You shall not Azaël. Tu viendras Jéhu. You shall not Jéhu. Tu viendras Élisée à ta place. You are not Elisha instead of you. Mais, but lui là où est seulement Élisée. He only anointed Elisha. Et il est parti. He went. Mais c'était la continuité. But it was the continuity. C'est Élisée qui voit les young people, un jeune homme. Is Elisha anointing a young people, a young boy? Nous sommes Branham de retour. We are Branham in return. C'est toi Branham de retour. It's you Branham. C'est parce que Élisée c'est l'église. Elisha is the church. Représenté par Joseph Branham. Represented by Joseph Branham. Vous voyez les prophètes à la place du prophète. You see the prophet in the place of the prophet. Jéhu c'est Trump. C'est pourquoi Trump est loin. Jéhu is Trump. That's why Trump is anointed. Il reconnaît Jérusalem pour les Juifs. He recognizes Jerusalem for the Jews. Vous voyez. You see. C'est Poutine. He is Putin. Il est loin par les bombes atomiques. He is anointed with atomic bombs. Pour finir ce monde. To finish this world. En ce moment-là, this time, une épouse est ouinte. There is an anointed bride. Le libérateur dont Esaïe parlait, the deliverer whom Esaïe spoke about, c'est William Branham. Is William Branham. Quand il vient, il amène Pâques. When he comes, he brings Easter. Moïse. Moses. Dans la Bible, il n'y a que trois grands. In the Bible, there's only three great people. Le matin, in the morning, Moïse, Moses, le grand libérateur, le grand libérateur, the great liberator. Il a dit, votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. He said to them, your God will raise unto you a prophet like unto me. Jésus, Jesus, le grand sauveur, the great savior. Il nous a libérés à la croix. He set us free at the cross. Croyez-vous à cela?
night. Mais le soir. But in the evening. Il y aura un libérateur. There shall be a deliverer. Des noirs. Of black people. Madame dit, Dieu m'a envoyé vers les noirs. What I'm saying, God sent me to black people. C'est un prophète qui connaît où est-ce que Dieu l'a envoyé. Hallelujah! He is a prophet who knows where God has sent him to. C'est quoi, Moïse était né en avril? That's why Moses was born in April month. Le libérateur ne naît qu'en avril. Liberators only born in April month. Moïse est né le 6 avril. Moses was born the 6th of April. Et il a libéré les Juifs au mois d'avril. And he set free the Jews in April month. Jésus, le grand libérateur du monde. Jesus, the greatest liberator of the entire world. Il est né le 1er avril. Was born the 1st April. Chaque 100 ans. Each 100 years. Une constellation des étoiles. A constellation of stars. L'étoile de Cam, Sam, Japhet. The stars of Cam, Sam and Japhet. Père, Fils, Saint-Esprit se réunit. Father, Son, Holy Ghost together. Quand vous voyez ça, where you see that, un libérateur est né. A deliverer is born. Dites amen. Say amen. Jésus devait naître le 6 avril. Jesus. Je dis devait. Jesus supposed to be born the 6th of April. Parce que c'est un cycle. Because it's a circle. Mais Dieu, comme Jésus est au-dessus de Branham. God, because Jesus is above Branham. Il est le premier. He is the first. Branham a précisé. Branham gave the precision. Jésus est né le 1er avril. Jesus was born the 1st April. Lui, c'est le libérateur du monde entier. Him is the deliverer of the entire world. Moïse, c'est pour les Juifs. Moses is for the Jews. Mais il faut qu'il y ait un libérateur des Égyptiens. But it requires a deliverer of Egyptians. C'est quoi, le 6 avril 1909? That's why the 6 April 1909. Une constellation a eu lieu. A constellation happened. En commémoration du grand don Jésus. In commemoration of the greatest gift Jesus. Un libérateur est né. A liberator was born. Ils crieront à l'Éternel. They will cry to the Lord. Je renverrai un sauveur. I'll send to them a savior. Écoutez le mystère. Listen to the mystery. Et un libérateur. And a liberator. Oh, le seul sauveur, c'est Jésus. While the only savior is Jesus. Qu'est-ce qui est arrivé le 6 avril 1909? What happened the 6 April 1909? Le sauveur qui est devenu la colonne de feu. The savior that became the pillar of fire est venu. Came. Et un libérateur a né. And a deliverer, a liberator was born. Quand le sauveur entre dans le libérateur, when the savior entered into the liberator, c'est la libération. Is the freedom. La colonne de feu incarnée en Branham. The pillar of fire incarnated in Branham. La parole faite chair. The word made flesh. C'est ça ta libération. That is your freedom. Alléluia. Alléluia. Moïse. Moses. Quand il prêchait. When he was preaching. Les 10 commandements, c'est sur le corps. The 10 commandments is on the body. Tu ne commettais pas d'adultère sur le corps. Tu ne you never, pas you never commit adultery. You never kill. Quand Jésus vient. When Jesus came. Il amène ça en esprit. He bring it into the spirit. Moïse avait dit. Moses said. Mais moi je vous dis. But I tell you, si tu regardes seulement, if you just look, tu as déjà commis. You commit adultery. C'est l'esprit. Is it the spirit? Mais le soir, but in the evening, le soir, in the evening, pas le corps, not the body, pas l'esprit, not the spirit. Libérateur de l'âme, the deliverer of the soul. Le ministère de William Branham, the ministry of William Branham. C'est la perfection. Is perfection. Le troisième pile, the third pool. C'est l'âme. Is the soul. L'âme est libérée. The soul is being set free. Laissez-moi vous dire quelque chose. Allow me to tell you something. On peut être libre du corps. We can be free of the body. Libre de l'esprit. Free from the spirit. Mais si ton âme est en prison. But if your soul is still in prison. Tu iras en enfer. You will go straight to hell. Mais si ton âme est libérée. But if your soul is free. Oh, j'apprécie maman passer Richard là-bas. J'apprécie maman passer au Madère. Richard. Si l'âme est libérée. If
The soul is set free. Même si l'esprit a l'esclavage de soucis. Even though the spirit can be in slavery of worries. Lisez-moi ça. Just read this. Tenez-vous tranquille. Stand still. Hey, Papa Dominique. Papa Dominique. Sachez que je suis Dieu. Know that I am God. Même si ton corps est malade. Even though your body is sick. L'âme est déjà libérée. The soul has been set free already. Mais avec le grand libérateur. But with this great liberator. Trois pulls. Third pull. Tous les trois ensemble. Three pulls together. Premier pull. First pull. Il libère les corps. He set free the body. Deuxième pull. Second pull. Il libère les esprits. He set free spirits. Troisième pull. Third pull. Tous les âmes libérées. All the souls set free. Et nous sommes libres. We are free. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? C'est quoi vous voyez? That what you see. Chaque 100 ans ces étoiles là. Each 100 years those stars. 1809. 1809. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Un libérateur politique. A political liberator. 1909. 1909. Le grand libérateur William Branham. The great liberator William Branham. Acclamons le Seigneur pour lui. Let us give to the Lord for him. Voici le libérateur que Isaïe parle. Behold, the deliverer Isaiah spoke about. Branham est venu libérer les noirs. Branham came to set free black people. Et il a fait. And he did it. Et les étoiles se sont rencontrées. And the stars came together. Maintenant je vais terminer. This, I'm finished. Qu'est-ce que nous faisons dans ces bâtiments? What are we doing in this building? Frère Branham dit comment l'ange est venu à moi sa commission. But Abraham said, in his prophet, how the angel came to me and his commission. Chaque cent ans, each 100 years, les mêmes étoiles se rencontrent encore. The same stars come together. Et Dieu accomplit quelque chose en grand. And God fulfills something on earth. Laissez-moi vous bombarder une chose que les gens ne vont pas croire. Allow me to bomb you something which people won't believe. Et je m'en fous de l'incrédule. Hey, I don't care of the unbeliever. Le libérateur des Juifs qui est Moïse. The deliverer of the Jew who is Moses. Quand ils étaient malades. When they were sick. Dieu a pris la guérison. Hallelujah. God took the healing. Il a mis ça dans un serpent. He put it on a serpent. Il a dit quand vous serez malade. He said, when you shall be sick. Regardez au serpent de l'eau. Look to the bruised serpent. Pas prier le serpent. Don't pray on the serpent. Pas adorer le serpent. Not worshiping the serpent. Regardez vivez. Look and live. Dit amen. Say amen. Dit amen pour que je prêche. Say amen so that I may preach. Frère Branham a dit, but Brother Branham said, Moïse a fait 80 ans. Moses stayed for 80 years pour rencontrer la colonne de feu. To meet the pillar of fire. Mais le libérateur des noirs, but the deliverer of the black people, 5 minutes seulement. 5 minutes only. 5 minutes. 5 minutes. La colonne de feu est venue. The pillar of fire came. Est-ce que vous allez croire ce que je vais dire? Are you going to believe what I will say? Frère Branham a dit. Brother Branham say. Dieu avait mis la guérison dans le serpent. God put the deliverance in a serpent. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un de confiance. Because there was no a truthful man. Même Dieu n'avait pas beaucoup de confiance en Moïse. Even God didn't trust too much Moses. Mais au sept ans de la fin. But in this end time. La guérison n'est plus dans les serpents. The healing is no more in the serpent. Dieu a trouvé quelqu'un de confiance. God has found something truthful. À cause du sang de Jésus. Because of the blood of Jesus. Il a sanctifié un homme. He sanctified a man. Dieu a mis la guérison dans Branham. God put healing in Branham. Ce que l'église doit faire. What the church must say. Regardez. Look. Branham dit. What I'm saying. Comme Israël regardait au serpent de rein. Just like Israel looked the poison serpent. Vous regardez à moi. Look. You look to me. Et soyez guéris. And be healed.
Si tu amènes les gens à te croire. If you bring people to believe you. Est-ce que vous croyez, Christ? Do you believe, church? Regardez ça. Look this. Et vivez. And live. C'est ce que nous croyons. That's what we believe. C'est ce que nous croyons. That's what we believe. Je regarde Abraham, je suis guéri. I look to Abraham, I am healed. Je ne le prie pas. I don't pray on him. Mais je regarde. I look. Alléluia. Église. Church. Écoutez-moi votre pasteur. Listen to me, your pastor. Quand vous aurez des difficultés. When you'll be in trouble. Regardez à cette photo. Look this picture. Oh. Et tout sera libre. And all will be free. Le libérateur. The liberator. C'est Branham. It's Branham. Mais pourquoi Branham est un Américain libérateur de noirs? Why Branham? An American liberator of black people. Sa grand-mère était indienne. His grandmother was an Indian. Il est messager. He is a messenger. Il est une étoile. He is a star. Il est Christ de notre jour. He is the Christ of our day. Là, il a pris d'amen. Oh, there's no more man. Pour aucun message. You'll run away from the message. You'll go to Pentecostal movement. Moïse était Christ. Moses was Christ. Le mot Christ, c'est la personne. What? The name Christ, it means the anointed person. Branham est Christ de ce jour. Branham is Christ of this day. Mopakolami. Christ of this day. Epakolami. The anointed person. Epakotutuka. Is not to shake. L'onction est une personne. The anointing is a person. Notre grand libérateur. Our great liberator. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that? C'est pourquoi 100 ans après sa naissance. That's why. 100 years after his birth. C'est le bâtiment. Is this building. Je vais terminer là. I'll finish. Voici notre cabane. This is our cabin. Mettez-moi Caïn Bibé, écoutez. Put Caïn Bibé, listen. Caïn Bibé a dit, si. Caïn Bibé a say here. Qu'est-ce qu'il a dit? What did he say? Il dit en 1909. He said in 1909. La colonne de fer est entrée dans une cabane. Il y a la voix. The pillar of fire came in the cabin. There's the voice. At 13, we will dedicate a church. Cet homme, je l'admire beaucoup. Now you see this man. I really admire him. Cet homme qui est derrière moi. The man sitting behind me. Quand il m'a dit, pasteur, demain, ça sera la dédicace à 13h. Now, when he told me, pastor, you know, tomorrow we're going to dedicate a church at 13. Oh, moi, je me dis, mais pourquoi 13h? Je me disais comme ça. I said, why 13? I was wondering. Puis, la nuit, quand j'étais en train de prier. And then by night, as I was praying. Et que je lisais ma Bible. And I was reading my Bible. Maintenant, une pensée m'est venue. Now, a thought came to me. Il dit, c'est extraordinaire. I said, but that's extraordinary. Il met 13 heures. It is 13. Mais quand vous prenez it's 13 heures. It's going to be 13, but when you will take 13. When vous take prenez 13. Avec l'air de Kentucky maintenant. Now, when you take it with the jet lag, the hour in Kentucky. Il sera 13 heures ici. It's going to be 13 here. Et il sera exactement 5 heures à Kentucky. And it's going to be 5 o'clock exactly in Kentucky. Et à 5 heures. And at 5 o'clock. Le 6. The 6th. Avril. Of April. 5 heures. 5 o'clock. Ça sera exactement au moment où la colonne de feu était venue. Will be exactly the time. Alléluia. Hallelujah. Mais aujourd'hui. But today. Au lieu qu'elle vienne sur un petit berceau. In the state of coming on a cradle. Elle va venir sur la mêle tabernacle. It's gonna come over him. Au même moment. Le même jour. À la même heure. Où elle était sortie. Une fois qu'elle s'est sortie. Le 6 April 1909. Colonne de feu dans une cabane. The pillar of fire came into a cabin. Mais 2009, by 2009, cette colonne de fête entrée ici. The same pillar of fire came in here. Un prédicateur du Nouveau Testament, c'est un prophète. A preacher of the New Testament is a prophet. Nous sommes dans un endroit sacré. We are into a sacred place. Quand un libérateur est né, when a liberator was born, on a toujours
voulait détruire sa cabane et le tuer. Alléluia. They always want to destroy his cabin and to kill him. Pharaon voulait tuer Moïse. Pharaoh want to kill Moses. Oh Seigneur Hérode Jésus. Hérode voulait tuer Jésus. Hérode want to kill Jesus. Quand Abraham Lincoln est né, when Abraham Lincoln was born, on voulait le brûler avec sa mère dans la cabane. They want to burn him with his mother in a cabin. Quand Frère Branham est né, when Brother Branham was born, l'hiver voulait le tuer dans la cabane. He winter want to kill him in a cabin. Qu'est-ce qui est arrivé à ce bâtiment? What happened in this building? Si ce n'est pas le même Dieu. If it's not the same God. Voyez-vous pourquoi les faux frères voulaient le détruire? Can't you see why false brother want to destroy the building? Dieu l'a gardé. God kept it. Parce que l'onction est ici. Because the anointing is here. Après Frère Branham. After Brother Branham. Dieu n'envoie plus un seul don. God no longer send one gift. Le dernier grand don c'est William Branham. The last great gift. It William Branham. Mais quand Branham part, but when Branham goes, l'onction descend sur un peuple. The anointing descend on a people. Ceci est notre chambre haute. This is our upper room. Nous sommes ici dans la Pentecôte. We are here in the door of Pentecost. Chacun doit avoir sa place. Each one must have his position. Le pasteur doit être Pierre. The pastor will be Peter, Jacques Jean, Richard, James John, Diacre, Peter, Philippe, André, Philippe, tout ça. Andrew. Chacun doit avoir la place d'onction. Each one must be under anointing. C'est que nous sommes ici. That's what we are here. Pour continuer à libérer les autres. To keep set free other people. Parce que la prophétie avait dit. Because the prophecy said. Il y aura cinq grandes villes. There shall be five big cities. C'est quoi dans le message en Afrique? That one. The message in Africa. Il y a cinq grandes villes qui font rage. There are five great cities well known in the message. Kinshasa. Kinshasa. Libreville. Libreville. Luanda. Luanda. Johannesburg. Johannesburg. Et Brazzaville. And Brazzaville. Les cinq villes là. Those big cities. Influencent le message partout. The influence of the message is c'est so la prophétie much not qui countries. Se répète. Is the prophecy coming back again? Et quand cela arrivera là? When it will happen? Je dirai. I will say. L'Égypte est mon peuple. Egypt, my people. Les Africains deviendront le peuple de Dieu. Africans will become the people of God. L'ampleur du message en Afrique est terrible. The well known of the message in Africa is so great. Et que c'est accompli? Is it fulfilled? Et la Syrie l'œuvre de mes mains. And Syria the work of my hand. Vous voyez pourquoi Assad s'est levé contre les Américains et il est toujours là. Can't you la see Syrie why like a wake. Assad is raised by against American. Syria is still there. Et Israël est mon héritage. And is Israel my inheritance. Vous voyez pourquoi Jérusalem est devenue capitale. Do you see Benjamin Netanyahu est là. Il y a trois axes. Do you see why Jerusalem became the capital? Benjamin Netanyahu is in there. Et Dieu avait dit en ce jour-là, God said, at that day, je dirai, I will say, béni soit l'Égypte, mon peuple. Blessed be Egypt, my people. Cette année, c'est le temps de bénédiction des Égyptiens. This year is time of blessing of Egyptians. Si Dieu ne te bénit pas cette année, il ne te bénira plus. If God doesn't bless you this year, it means he will never bless you again. Ça, c'est l'année de l'Afrique. This is the year of Africa. Parce que because Élisée et Lacha a fait 10 ans. Stayed 10 years. Il avait déjà la robe. He already got the garment. Mais pour que la robe puisse le convenir, ça but existe. For the garment to fit him. Depuis 2009. Since 2009. La robe est déjà descendue. The garment already descended. Je sais que vous êtes des incrédules. Moi, je crois aux prédicateurs. I know you are unbelievers. Me, I believe preachers. Quand une bébé a fait descendre la robe. Quand une bébé a brought down the garment. Quand nous avons eu 10 ans de preuve. That's why we had 10 years of trial. Et de souffrance. And suffering. Maintenant. Now. La robe est là. The robe is on us. Quand la robe est là. When the garment is on us. Élisée, regarde le Jourdain. Elisha looked at the Jordan. Où est le Dieu d'Élie? He shouted, "Where is the God of Elijah?" Et l'impossible devient possible. Let the impossible become possible. L'Esprit du Seigneur m'a oint. The Spirit of the Lord has anointed me.
10 ans après la dédicace maintenant. To say it after the dedication right now. Où est le Dieu de Branham? Where is the God of Branham? Chaque chose qui était impossible devient possible ici. Each thing which was impossible, let it become possible right here. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Receive it in Jesus Christ's name. C'est cette année ici votre année. This is your year. Et les enfants du prophète nous verront. And the children of the prophet will see. Ils ont dit le Dieu d'Élie. They will say the God of Elijah. Est devenu le Dieu d'Élisée. Became the God of Elijah. Je suis ici pour défier chaque pasteur incrédule. I'm here to challenge each unbeliever's pastor. Vous allez le dire. You shall say it. Le Dieu de Branham. The God of Branham. Est devenu le Dieu de Zakola et d'Amen Tabernacle. Became the God of Zakola and the of Amen Tabernacle. En ces jours-là, ils parleront la langue de Canaan. And that day, they will speak the language of Canaan. Le message, c'est un langage. The message is a language. Quel langage? Which language? Pas l'ancien a dit. Not the elder say. Le langage de Canaan. Language of Canaan. Frère Branham dit. Voilà what I'm saying. Frère Branham dit. Voilà what I'm saying. Frère Branham dit. Voilà what I'm saying. C'est qui est Branham? But who is Branham? Le Moïse de ce jour. The Moses of this day. Moïse était prêché dans les synagogues. Hallelujah. Moses was preached into the synagogue. Si tu veux parler, if you want to speak, il faut dire Moïse. You must say Moses say. Cette année tu veux parler? This year you want to speak? Frère Branham a dit. Voilà, voilà, I'm saying. Acclamons le Seigneur pour ça. Let us get back to the Lord. Le message. The message. C'est notre langage. Is our language. Enseignez à nos enfants le langage. Teach to our children our language. Nous gardons les bokoko. Let us keep our ancestors. Notre grand-père, le père de la foi, c'est William Branham. Our great father, the father of faith, is William Branham. Quand la nuée viendra en Afrique. Because the cloud will come in Africa. C'est quoi ceci est dur. That's why this is hard. Ne présentez pas les Africains Jésus dans Galilée. Don't introduce African Jesus in Galilee. Non. No. C'est pas leur promesse. That is not their promise. Regardez ici. Look here. Quand Jésus mourut à la croix. When Jesus died at the cross. Est-ce que vous suivez à l'est? Do you fight in the east? Dites amen. Say amen. Ça c'est pour les croyants. This is for the believer. Le message est parti au nord. The message went to the north. Paul, Irénée, Colomban, Martin Luther, Wesley, c'était des Européens. Irene, Colomban, Martin, Wesley, they were European people. The Nordist. They were from the north. Même Branham. Even Branham. Là-bas, on présente Jésus de l'est. Up there, they're introducing Jesus from the east. Mais quand la nuée vient en Occident. But when the cloud comes at the west. Jésus a été clair. Jesus was so clear. Dans Luc 12. In the book of Luke 12. Et quand vous voyez un nuage. He said, when you see a cloud en Occident, in the west, vous savez que la pluie tombe. You know that it's raining. Quand la nuée apparaît, when the cloud appears, la pluie de la première et de l'arrière saison tombe. The rain of the first and the former rain, the latter rain and the former rain come down. Pour accomplir Joël chapitre 2, to fulfill Joel chapter 2, je restaurerai encore. I shall restore again. Mais allez lire ça à la maison. Go read it at home. Jésus a dit quand vous voyez le vent souffler au sud. But Jesus said, when you see the wind blowing from the south. Au sud c'est le vent. In the south is the wind. Quand ça souffle alors il fait chaud. When it's blowing, it's hot. Le vent c'est un réveil. The wind is a revival. Le réveil du sud. The south revival. Il est en train de souffler now. Blowing right now. C'est quoi ça fait chaud? That why it's hot. Quand ça souffle. When it's blowing. Branham dit les Africains enverront des missionnaires en Amérique. What I'm saying, Africans will send missionaries in America. Vous devez vous lever avec des moyens pour envoyer les missionnaires. You must raise with means to send missionaries. Et la nuée vient en Afrique. And the cloud come in Africa. Quand la nuée entre en Branham.
When the cloud come into Branham, pour les Africains, for African people, pour les présenter Jésus dans Branham. We are introducing Jesus in Branham. That is believers rejoicing. Le corps de Jésus a la valeur. The body of Jesus got value. Ça paye le prix. It paid the price. Mais quand le monde devient comme Sodome Gomorrah, but when the world become like Sodom and Gomorrah, les Africains n'ont plus besoin de voir Jésus dans cette forme-là. Africans don't need to see Jesus in that form. Pour les libérer de l'homosexualité, to set them free from homosexuality, ils doivent les voir comme Abraham. They must see him like Abraham. C'est pourquoi les Africains aiment Nzambe na muntu. That's why Africans love God in a man. Allez beaucoup la bonne seca. Mille. La plénitude de la divinité. The fullness of deity. Dans l'homme. Into a man. Mbote bande konangai. Not a part. Litondi mobi babonzambe meke nandoto amoto. The fullness. The fullness of God into a man. Si un pasteur vous dit que c'est une portion, vous ne serez pas libéré. If a pastor told you it was a portion, you will never be set free. Quand je crois la plénitude dans l'homme, because I believe the fullness in man, ça me libère du péché. It set me free from sin. En Afrique, on prêche, les Africains prêchent Jésus incarné. In Africa, African preach Jesus incarnated. Pas Jésus en robe. Not Jesus in a robe. Jésus en cravate. But Jesus with a suit. Jésus en calvitie. Jesus bald head. Ah, il n'y a plus d'amen, hein? Oh, no more amen. Mais dites amen. But say amen. Et Jésus devient noir. Jesus become black. Qu'est-ce qui se passe ici? What happened here? C'est moi Jésus. I am Jesus. Jésus prêche. Jesus preach. Jésus interprète. Jesus interprète. Jésus musicien. Jesus musician. Jésus disant amen. Jesus saying amen. C'est la fin de la rédemption. That is the end of redemption. Dieu dans la peau noire. God in black skin. Esaïe a dit en ce moment-là. Esaïe say at that time. Il y aura un monument dans la frontière. There shall be a pillar at the border. La frontière c'est l'extrémité. Prendre l'extrémité de la terre c'est l'Afrique. But say the border is the extremity. And but the extremity of the world is Africa. Et l'extrémité de l'Afrique c'est l'Afrique du Sud. And the extremity of the world of Africa is South Africa. Voilà, on lui a bâti un hôtel, un monument. That's why we have built unto him an altar, a monument. Voilà, les croyants ont acclamé parce qu'ils ont. You see, believers clap hand and to sit. Voilà un monument à l'extrémité. This is a pillar at the border. C'est ça l'hôtel. This is the altar. Quand il me dit, ah ouais ça. Quand il me dit, ah ouais this. C'est pourquoi. That's why. Un homme avait dit, somebody who's been warned. L'Afrique a la forme d'un revolver. Africa look as the shape of a gun. Mais sa gâchette c'est au Congo. But the click shot is in Congo. Mais le trou là, c'est en Afrique du Sud. But the hole is South Africa. Vous verrez pourquoi nous sommes venus du Congo, nous sommes ici. You will see why we came from Congo, we are up at the border, at the top. Dit ça, montre-nous le Père. But what I'm saying, in a small way, show us the Father. Parce que les incrédules me regardent. Because unbelievers are looking at me. Il dit, il fait chaud maintenant ici. They say, he's hot here. Mais vous serez surpris. But you'll be surprised. De voir les croyants au Congo belge. To see believers in Congo belge. Ils viendront dans les routes. They'll come from the road. Ils traverseront les crocodiles. They'll cross crocodiles. Ils vont venir m'attendre en Afrique du Sud. They'll come and hear me in South Africa. Comment un prophète peut dire ça, frère Richard? How come a prophet can declare like that? Même, Richard, même si tu viens dans l'avion. That one, even though you use aeroplane. Ne te moque pas de ceux qui viennent à pied là. Don't mock the one who came by feet. Il y a une prophétie. There is a prophecy. Ils écoutent Branham dans la continuité. They are listening to Branham
in continuity. Ceux du Congo belge ont les ailes. Those from Belgium Congo got the seal. Moi j'étais chargé du message au Congo. That's why I was stored up of the message in Congo. Dans la gâchette de l'Afrique. Into the clean shot of Africa. Et on m'a tiré, je suis en Afrique du Sud. And they showed me I'm in South Africa. Un grand réveil est ici, mes frères. A great revival is here, my brother. Et c'est toi le réveil. You are the revival. Et le réveil, c'est pas un homme. Le réveil n'est pas un mouvement, pardon. Bible say, the revival is not a movement. C'est un homme. But is a man. C'est toi le réveil. You are the revival. Mais dis amen si tu crois. Say amen if you believe. Voilà votre temps. This is your time. 1809. 1809. Cabane d'un libérateur politique. Cabine of a political liberator. Et Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was born in there. 100 ans après. 100 years later. Le grand libérateur. The great liberator. Dans une cabane. Into a cabine. Qui dites-vous que c'est? Who do you say it is? 100 ans après. 100 years later. Vous pensez que c'est un hasard? Do you think it's by chance? Mon ami, Dieu ne fait pas les choses hasard. Well, I'm saying God doesn't do things by chance. Un peuple ici. A people here. Est loin. Is anointed. Comme libérateur. Is liberator. Pas une seule personne, un groupe. Not one person, but a group. Il y aura des sommes d'affaires libérateurs. There will be businessmen liberator. Recevez l'argent toi là. Receive money you. Prédicateur. Preacher. Des grands ici. Great people. Et la Bible a dit pour terminer. Bible said to finish. En ce moment là. In that time. L'Éternel sera connu des Égyptiens. The Lord will be known from Egyptians. Est-ce que les Égyptiens vous connaissez maintenant Dieu? Egyptian, do you now know God? Est-ce que vous connaissez sa forme? Do you know his shape? Est-ce que vous connaissez le libérateur? Do you know the liberator? Quand on le connaît, when we know him, ils feront des sacrifices. They will do sacrifices. Et des offrandes. And offerings. Et ils feront des vœux à l'Éternel. They'll make vow to the Lord. Et ils les accompliront. And they'll fulfill it. Quand ces choses-là arrivent, when those things happen, nous ferons des sacrifices. We will do sacrifices. De notre temps. Of our time. Jeunesse. Our youth. L'argent. Our money. Tout. Everything. Et des offrandes. And offerings. À l'Éternel. To the Lord. On va promettre Dieu, on accomplit. We'll take a vow and fulfill it. Et cette année. This year. Faites de vœux ce matin. Make vow this morning. Donnez cette année, je vous dis. I'm telling you, give this year, I'm telling you. Sacrifiez toute cette année pour Dieu. Sacrifice the entire year for God. La prophétie est en marche. The prophecy is on making. Et vous verrez la gloire de Dieu. You shall see God's glory. Pourquoi? Why? Nous on a crié à l'Éternel. We cried to the Lord. Et il nous a envoyé le libérateur. He has sent unto us the liberator. Cette année ici, c'est une grande année. This year is a great year. Saisissez votre opportunité. Catch your opportunity. Parce que le libérateur est venu. Because the liberator is come. Est-ce qu'avez-vous compris cela? Have you understood it? Que Dieu vous bénisse richement. May God richly bless you.